Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ces rencontres organisées par la médiathèque du Centre culturel Chivao. Ce soir, c'est la dernière opération de l'année et j'avoue que de vous voir aussi nombreux, ça me fait plaisir. Ça fait plaisir aux conférenciers. J'ai l'impression que déjà on finit en beauté avant même d'avoir commencé. Ceci étant dit, le sujet que veut aborder ce soir Benoît Trépied, à mon avis, sera la petite cerise sur le gâteau parce que il y a une histoire dans l'histoire, enfin vous verrez, je ne veux rien dévoiler, presque du suspense, hein. On a parlé d'enquête dans les nouvelles calédoniennes, je pense qu'on est, le mot n'est pas galvonné, on est vraiment dans cette situation. Alors je vais juste dire un petit mot peut-être sur Benoît. Je me suis rendu compte qu'il venait faire une conférence tous les 4 ans, un petit peu comme un oiseau migrateur, alors en laissant à chaque fois quelques plumes, ou quelques cheveux, diront les mauvaises langues, n'est-ce pas? Je vieillis moi-même à chaque fois que je l'accueille. Donc c'est toujours, en tout cas, un réel plaisir de le voir, déjà. Et puis, pour ceux qui étaient présents aux conférences précédentes, un régal pour les oreilles, même si parfois certaines de ces interventions ont été agitées. Je me souviens par exemple de celle en 2014 sur la question métisse. Si ça vous intéresse, l'enregistrement est disponible sur le site du Centre culturel Chivao, centreculturelchivao.nc, dans le catalogue de la médiathèque. Ceci étant, il a abordé bien d'autres sujets. Hein. En 2010, une intervention sur chef ou élu. Et puis, la dernière en date, 2018, intitulée « Qu'est-ce que décoloniser veut dire ?». Donc, vous avez peut-être vu sur la table qui était devant la salle Cécilia quelques documents relatifs à Cannibal Jack, en tout cas à cette période du 19e siècle où on rencontrait baleiniers, santaliers, aventuriers en tout genre, parfois dans des conditions assez agitées. Mais ce n'est pas le seul sujet, évidemment, qui a été abordé par Benoît ces dernières années. Et si vous allez sur le catalogue de la médiathèque, encore une fois, vous verrez qu'il y a quand même de nombreuses références, pas loin d'une quarantaine quand même, qui traitent à la fois d'anthropologie et d'histoire. Si j'osais, toutes passionnantes les unes que les autres. La conférence de ce soir, je vous le redis pour ceux qui ne seraient pas au courant, est évidemment enregistrée, rendue audio-vidéo sur Caledonia, leur chaîne télé, puis leur chaîne YouTube, et enfin, quelques temps après, sur la chaîne YouTube du Centre culturel, toujours, où nous mettons à disposition aussi des conférences plus anciennes, puisque le catalogue comporte plus de 200 références. Donc au fur et à mesure, vous pourrez découvrir, redécouvrir pour ceux qui n'étaient pas là à ce moment-là, les conférences des années 90, 2000, sur tous les sujets, hein, puisqu'il y a des spécialistes de tous horizons qui sont venus causer ici. Alors, je ne vais pas être plus long. Benoît est peut-être un petit peu fatigué, parce qu'il n'y arrivait que lundi midi. Donc je ne vais pas abuser de son temps. Au-delà de la présentation qu'il fera, donc je vous le redis, il y aura un débat tout à l'heure, il y a certainement de nombreuses questions qui seront posées autour de Cannibal Jack lui-même, William Diaper, et peut-être d'autres personnalités, voire personnages même, qu'il a pu croiser en Nouvelle-Calédonie ou même dans le Pacifique. Un grand merci à vous d'être aussi nombreux, et puis à tout à l'heure pour les débats. Merci beaucoup Manu pour l'applaudir. Merci beaucoup à vous tous d'être là. Ça fait extrêmement plaisir pour moi de pouvoir venir présenter ce travail au Centre Chivao et je remercie encore mille fois Manuel Castejean, la médiathèque et toute l'équipe du Centre de me permettre une nouvelle fois lors de ce nouveau voyage en Calédonie, de présenter un petit peu de ce travail que j'ai fait maintenant depuis, que j'ai entamé depuis 5 ans à peu près. Voilà, je suis lancé dans la quête de ce Cannibal Jack dont je vais vous parler ce soir. Effectivement, ce que j'aimerais faire devant vous, c'est vous raconter un peu l'histoire de cet homme extraordinaire qui a marqué l'histoire du Pacifique en général et de la Nouvelle-Calédonie en particulier. Qui en gros a traversé ces îles et cet océan un peu comme une étoile filante au 19e siècle et qui pourtant reste très peu connu encore aujourd'hui
du grand public, hormis pour les spécialistes qui ont déjà entendu parler de lui. Alors que véritablement, à mon sens, sa vie, son œuvre mérite d'être connue, discutée, réfléchie, etc. Donc cet homme, effectivement, il s'appelle William Diaper, de son nom de baptême, c'est un Anglais qui est né en 1820 dans un petit village à peu près une centaine de kilomètres de Londres. Il est plus connu effectivement sous le nom de Cannibal Jack, je reviendrai sur ce surnom énigmatique et légèrement mystérieux. Et en gros, à partir de l'âge de 16 ans, il a passé l'essentiel de sa vie à faire deux choses. Il n'a pas cessé de vagabonder à travers le Pacifique, avec un espèce de mouvement perpétuel qui pose question et dont on n'a sans doute pas la réponse, pourquoi il a autant voyagé. Et puis, à partir de l'âge de 30 ans et pendant une cinquantaine d'années, il a aussi passé énormément de temps et d'énergie à écrire pour raconter sa vie et raconter ce qu'il vivait. Et écrire, c'était pas acheter un bic et un cahier au magasin d'à côté, il fallait de l'encre, une plume, un cahier, et il a donc écrit son œuvre dans des conditions extrêmement particulières, extrêmement difficiles. Alors en guise d'introduction, je voulais vous citer un passage qu'il fait dans le dernier manuscrit connu qu'il a fait à la fin de sa vie, où il se présente lui-même, et ça vous donnera un peu une première idée du personnage. Voilà ce qu'il écrit. Donc il a 70 ans à l'époque, il dit « Ça fait maintenant plus de 50 ans que je vagabonde. En fait, peut-être 60 ans si j'inclus l'époque de l'école buissonnière en Angleterre. J'ai visité presque toutes les îles situées dans cette vaste étendue d'océan, délimitée au nord par la Californie, le Japon, la Chine et l'Inde, et au sud par la Tasmanie, la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Et aussi tout ce qui est compris entre la côte ouest de l'Amérique du Sud, c'est-à-dire le Pérou et le Chili, et l'est, à l'est, et la Nouvelle-Guinée ou Papouasie, à l'ouest. Pour résumer, écrit-il, j'ai visité plus de 1000 îles et j'ai résidé dans près d'une centaine d'entre elles. Mes amis, qui d'ailleurs semblent en savoir autant que moi sur ma vie, ont depuis longtemps déclaré que je suis censé être le père de 38 enfants et de 99 petits-enfants, et que par conséquent, dans quelques années, je serai l'arrière-grand-père de 999 arrière-petits-enfants, peut-être 1000. Et si je vis assez longtemps pour que cela devienne un fait accompli, et je ne vois pas pourquoi je ne le ferai pas, je disais que lorsque ce qui précède sera en fait accompli, je pense que j'aurai alors le droit de me féliciter de ne pas avoir vécu ou écrit en vain. Alors vous voyez déjà que dans cette petite extrait, on sent tout de suite qu'il a une plume, c'est-à-dire qu'il écrit d'une façon très particulière, ça c'est une traduction un peu sommaire que j'ai fait de l'anglais, mais il a aussi un humour caustique. Il critique, voilà, il a une. On ne peut pas être vraiment indifférent à son style d'écriture, qui est très saisissant, qui a un côté exagéré, romanesque, et qui pose des questions. Alors, si Cannibal Jack, il est effectivement exceptionnel au regard de l'histoire classique du Pacifique, c'est avant tout, je vous l'ai dit, par ses voyages incessants et immenses à travers l'Océanie, qui ressemblent à aucun autre, et en particulier qui ne ressemblent pas aux voyages des explorateurs classiques. Triomphant et qui viennent avec ce regard un petit peu de supériorité. Lui, au contraire, la grande particularité, c'est qu'il s'est fait une spécialité de s'adapter systématiquement aux mœurs locales, partout où il est passé, comme un véritable caméléon. Donc quand il a circulé sur des bateaux, il s'est fait marin, il est devenu marin, il a vécu dans ce monde marin du 19e. Quand il a vécu dans des colonies bien établies, comme en Australie, il a vécu comme un Européen. Et puis dans toutes les îles du Pacifique qui, à son époque, n'était pas du tout colonisé, ou alors à peine colonisé, il a vécu la plupart du temps au sein des communautés locales, autochtones, océaniennes, en vivant à l'océanienne complètement, c'est-à-dire en laissant derrière lui sa culture, sa civilisation, ses références. Et donc, comme si ça ne suffisait pas, en plus, il a écrit des pages et des pages pendant des années pour raconter cette expérience. Alors, il y a deux mystères, évidemment, son surnom qui plante le décor, c'est-à-dire Cannibal Jack, qui donne une idée de cette réputation sulfureuse. Est-ce qu'effectivement cet Anglais aurait adopté les mœurs des indigènes du Pacifique jusqu'à la question de l'anthropophagie? En réalité, ce surnom, il a surgi quand certaines de ses œuvres ont commencé à être connues à partir de 40 ans, quand il avait 40 ans, en Nouvelle-Zélande en 1860, et les gens autour de lui, les colons néo-zélandais, disaient bah, « Écoute, si tu as vécu comme ça, avec les Fidjiens, avec les Kanaks, avec les Samoans, que tu as appris leur langue, tu as appris leurs habits,
tu as épousé les femmes, tu as fait des guerres, il y avait des sacrifices, enfin, il y avait des festins cannibales, tu as pris part à ça. Et donc, à tous les coups, tu es cannibale. Ce qui était le stigmate ultime, l'insulte suprême. Lui, dans ses écrits, il a toujours nié. Il a dit non, non, moi j'ai jamais. Mais les gens pensent ça, mais c'est pas ça. Alors je vous le dis tout de suite, j'ai pas la réponse, donc on saura jamais. On saura jamais. Ça fait partie du mystère qui entoure ce personnage. Je vous préviens aussi, un autre point, c'est que on n'a jamais retrouvé de photos de Cannibal Jack. J'ai cherché, et avant moi, il y a plusieurs générations de chercheurs à travers le monde qui se sont penchés sur ce type fascinant. Et la deuxième partie de sa vie, la fin de sa vie, à partir des années 1860-70, la photo se développe dans le Pacifique. Il vit longtemps à Fidji, où il y a des studios de photos, il y a plein de photos. Il finit sa vie ici en Calédonie, où il y a aussi de la photo, mais on dirait bien qu'il a fui à chaque fois qu'il y avait un appareil photo. Donc c'est extrêmement frustrant, mais sachez que le type qui est derrière moi, c'est pas lui. Voilà. C'est une belle image qui illustre sans doute le genre de situation qu'il a vécu, mais c'est pas lui. Alors ce que je vais essayer de faire pour vous raconter cette histoire, c'est non pas vous raconter, il est né là, il a fait ça, il a fait l'école patati patata, je vais d'abord vous raconter comment on a appris à connaître ce type, comment on a appris à découvrir l'histoire assez fascinante de la découverte de ses manuscrits et de son œuvre, pour après revenir plus succinctement sur sa vie et me concentrer sur les trois moments où il a vécu en Calédonie, puisqu'il a fait trois séjours différents à différentes époques. Avant ça, peut-être un petit mot juste rapide sur la catégorie de ces hommes qui, comme lui, étaient donc des Européens qui ont vécu avec les gens du Pacifique dans leur monde. On les a appelés à partir du 19e siècle les beachcombers, c'est-à-dire, c'était traduit en français comme les écumeurs de plage. Mais en fait, c'est une situation qui est apparue dès les premières navigations européennes, dès l'époque de Magellan au XVIe siècle, etc. Il y a dans les journaux de bord des témoignages qui disent que il y a des marins qui fuient les bateaux, parce que l'univers des bateaux, c'est quand même pas la joie, et qui tentent une vie à la sauvage, entre guillemets, à l'océanienne. Donc il y a des marins qui désertent, il y a parfois des marins qui se retrouvent dans cette situation parce qu'en fait, ils sont abandonnés par leur capitaine qui les laisse sur l'île pendant qu'ils repartent en cas de conflit. Il y a des marins kidnappés par les insulaires et il y a des naufragés aussi qui sont recueillis. Et puis la dernière figure qui s'est beaucoup développée dans le Pacifique, il y avait aussi des évadés des bagnes australiens, du bagne australien qui cherchaient un refuge. Donc ce phénomène du beachcombing, comme on dit, s'est beaucoup développé avec le développement du trafic maritime marchands et baleiniers dans le Pacifique. Donc c'est pour ça que c'est surtout au 19e siècle que ça s'est très fortement manifesté. La plupart d'entre eux, c'était des hommes, il y avait très peu de femmes. Souvent, très souvent, ils étaient de basse extraction sociale, donc des gens de peu, pas des intellos, pas des gens très cultivés, sauf exception, comme Cannibal Jack, mais plutôt des gens du peuple. Voilà. Il y en a eu des célèbres, comme les deux que j'ai mis derrière, hein, Joseph Cabri, qui était français, ou William Mariner qui était anglais, qui était à Tonga. Je vous donne aussi une autre image. Lui, c'est un beachcomber qui a vécu une cinquantaine d'années au Fidji et qui a bien connu Cannibal Jack d'ailleurs, puisque finalement c'était un petit monde. Harry the Jew Dunford, qui a été. Le dessin date des années 50 et la photo date de la fin de sa vie à côté de l'une de ses filles. On pense souvent aux beachcombers comme ces Européens vivant chez les Océaniens, mais en réalité, les beachcombers étaient de toutes origines parce que les équipages des bateaux sous pavillon européen étaient composés de marins de toutes origines. Il y avait énormément de ce qu'on appelait les Portugais à l'époque, mais qui en fait étaient des gens soit des Açores, soit du Cap-Vert, donc des Africains en réalité. Il y avait ce qu'on appelait des Malais, donc tous les gens d'Asie du Sud-Est. Il y avait des Indiens d'Inde. Il y avait des Indiens d'Amérique, des Noirs américains, et donc tout cela aussi devenait des beachcombers quand ils laissaient leur navire. Donc la figure, c'est pas seulement des Blancs qui sont chez les Océaniens, et il y a une autre figure qui est non des moindres, c'est qu'il y avait aussi beaucoup d'Océaniens sur les bateaux. Comme vous le savez sans doute, dès la fin du 18e siècle, quand la marine marchande s'est développée, Hawaï, par exemple, est devenu un port extrêmement fréquenté par les bateaux,
une escale incontournable entre la Chine et la côte américaine. Et du coup, les Hawaïens se sont massivement engagés sur les bateaux. Et ceux-là pouvaient devenir beachcombers quand ils arrivaient au Salomon, en Papouasie, etc. Alors parfois, il y avait des beachcombers océaniens qui pouvaient reconnecter d'anciens liens distendus, notamment dans le triangle polynésien, où on se rendait compte que les langues étaient proches. Mais il y avait aussi des beachcombers qui étaient des parfaits étrangers, finalement. Voilà. Voilà ce qui s'est passé. Alors ces gens-là, s'ils nous intéressent, s'ils nous fascinent, c'est parce qu'en général, dans les sources écrites de leur époque, c'est pas eux qui écrivent, donc ils racontent pas leur expérience. Ceux qui écrivent, ce sont les missionnaires et les militaires et les explorateurs. Et les missionnaires et les militaires explorateurs, ils ont en commun une chose, c'est qu'ils regardent ces gens-là comme vraiment des rebuts ultimes de la société occidentale. Pour deux raisons. Parce que je vous l'ai dit, c'est des gens du peuple, des petites gens. Donc on leur prête tous les défauts. C'est des ivrognes. Enfin, vous voyez l'image du marin, quoi, le stigmate du marin. Des ivrognes, des bagarreurs, des hommes avides de sexe qui corrompent les mœurs des autochtones, etc. Donc un critère de jugement social très fort, de mépris social, mais aussi un critère culturel et civilisationnel, en gros, et ça c'était très présent notamment chez les missionnaires, où ils disaient, mais ces gens-là ont renié leur civilisation, ils se sont ensauvagés, c'était le terme méprisant, qui signifiait, ils ont complètement perdu leur civilisation, ce sont des hommes perdus, quoi, qui sont, puisqu'à l'époque on était sur une échelle évolutionniste, hein, on partait des primitifs pour aller vers les civilisés, et pour aller des primitifs aux civilisés, c'est facile, il fallait éclaircir la peau. Ben, eux, c'était des civilisés qui replongeaient dans l'état de barbarie, etc. Donc dans ce schéma raciste et évolutionniste, c'était complètement impensable. Et donc, quand on lit sur eux, la plupart du temps, les gens qui parlent d'eux sont bourrés de mépris vis-à-vis d'eux. Et c'est de ce point de vue-là que Cannibal Jack est précieux, son témoignage, parce que c'est un des seuls, il y en a eu très très peu, un des seuls qui a pris la plume pour raconter cette expérience-là. Et donc pour se distancer de ce regard méprisant, avec cette particularité qu'avaient les beachcombers, et c'est aussi ça qui les distinguait des missionnaires ou des militaires ou des colons ensuite, c'est que leur but, le sens de leur présence dans ces îles n'était pas de changer les sociétés locales. Leur but, c'était de survivre. Ils n'avaient pas de projet, quoi. Donc le missionnaire, il vient pour convertir les gens, les militaires, ils viennent pour conquérir les territoires, les colons, les traders, les commerçants, ils viennent pour exploiter les ressources, exploiter la main-d'œuvre, mais ces types-là n'avaient pas de grands projets, de grande idéologie. Leur projet, avant tout, c'était essayer de passer la journée puis voir le lendemain. Et du coup, ils arrivaient dans des sociétés où ils n'étaient pas du tout en position de force, donc c'était l'inverse d'une position triomphante, et donc finalement, ils étaient très vulnérables. Et la seule façon pour eux de survivre dans ces conditions de vulnérabilité, eh ben, c'était de s'adapter. Donc c'était eux qui s'adaptaient aux mondes océaniens dans lesquels ils étaient accueillis. Et les sociétés océaniennes, elles, de leur côté, elles avaient des logiques pour intégrer ces gens-là. Parce qu'ils auraient pu tout aussi bien les zigouiller, d'ailleurs, ça s'est parfois passé. Mais quand on réfléchit à pourquoi ces beachcombers ont été tolérés dans les sociétés océaniennes, en fait, il y a plusieurs types de réponses qui sont intéressantes à creuser. D'abord, vous le savez sans doute, il y a une tradition d'accueil de l'étranger dans les sociétés océaniennes. C'est un mouvement très ancien, très profondément ancré dans les sociétés océaniennes, Kanak, mais pas seulement. Et donc, il y a une tradition d'accueil de l'étranger qu'on intègre à la chefferie, etc. Et puis, d'autre part, ce que les témoignages qu'on a pu recueillir nous ont montré que au départ, ces beachcombers, quand ils arrivaient, parfois ils étaient pris sous la protection d'un chef parce que ça devenait un peu leur mascotte, ce qui était très humiliant. Donc ça arrivait à Cannibal Jack, il disait, bah, en fait, quand il arrive à Fidji, il y a un chef qui le garde, mais qui le garde comme un petit animal domestique, en fait, un pet en anglais, dans son texte il dit ça, c'est-à-dire une espèce de curiosité, quoi, une espèce de, voilà, regarde, j'ai un chien, j'ai un chapeau et j'ai un blanc. Donc d'ailleurs, il le disait, je me rends compte que les gens me regardent comme une chose plutôt qu'un être humain, et donc ça me rend profondément mélancolique. Il écrivait ça dans son texte. Et puis, avec le développement du commerce
et l'introduction des armes à feu en particulier, ces beachcombers ont aussi beaucoup été utilisés pour le maniement et la réparation des armes à feu. Et puis enfin, comme intermédiaire avec les bateaux de passage et comme assistant guerrier dans les guerres. Et là aussi, c'est très important chez Cannibal Jack, la part de la participation aux guerres. Voilà, j'en dis pas plus sur les beachcombers pour maintenant un petit peu revenir plus précisément sur Cannibal Jack et sur la façon dont on l'a saisi au fil du temps. Alors, on pourrait faire commencer son histoire, je vous l'ai dit, à sa naissance, à son arrivée dans le Pacifique, mais en fait, je préfère commencer par la façon dont il est sorti de l'oubli. Parce qu'en fait, c'est ça, et si j'en parle aujourd'hui, c'est parce qu'il est sorti de l'oubli, mais c'était, disons que c'était loin d'être gagné, quoi. Tout a commencé, finalement, en 1889 à Marais, quand James Hadfield, qui était un missionnaire anglais de la London Missionary Society, qui était installé à Lifou à l'époque, est venu faire une tournée à Marais, dans le monde protestant, qui venait de traverser d'immenses secousses avec l'expulsion du pasteur Jones, etc. Il y avait une guerre entre différentes factions protestantes dans le district de Guama, dans le nord-ouest de Marais. Et donc le pasteur Hadfield est venu pour voir un peu où ça en était, et il est arrivé à Ro, dans la tribu de Ro, au nord-ouest de Marais, où il a été accueilli et logé chez un vieil anglais beachcomber qui était installé là depuis longtemps, dont je reparlerai, mais qui s'appelait George Humbert, dit Dirty Jerry, c'était ça son surnom. Et quand il est arrivé là, il y avait un autre vieillard anglais qui venait de débarquer peu de temps avant, qui était logé chez son ami Dirty Jerry Humbert. Et Hadfield rencontre ce vieillard qui courtois, etc. Ce vieillard était dans le besoin, il était dans le dénuement, donc il lui a donné des habits, il lui a donné du papier, etc. Et le lendemain, pour le remercier, attendez, j'ai oublié de faire défiler mes photos que vous voyez quand même, pour vous donner une image de Ro, voilà. Et il y avait ce beachcomber, je vous en reparlerai à la fin, j'ai des idées sur qui c'est, mais c'est pas Cannibal Jack, hein. Vous ne le verrez pas, mettez-vous ça en tête. Voilà, mais en tout cas, un type qui lui ressemble, on va dire, lui donne, en échange de bons procédés, lui donne un manuscrit, un cahier que vous voyez à gauche quand il a été photographié 30 ans plus tard, en 1928, et un siècle plus tard, quand moi je l'ai vu en Australie, vous voyez, il a bien ramassé le cahier, j'ai mis ma main à côté pour que vous ayez une idée. Donc il lui donne ce manuscrit-là, un cahier qu'il a rempli lui-même. Donc le missionnaire Hadfield repart de Marais, où il reste que quelques jours, avec ce manuscrit. Il le lit un an après, il est assez fasciné, mais bon, il range ça dans un coin et il oublie complètement cette histoire. Hadfield et sa femme Emma, qui est célèbre aussi, Emma Hadfield, Emma et James Hadfield finissent leur mission en 1920 aux Loyautés. Ils rentrent en Angleterre et c'est là, quelques années plus tard, autour de 1925, que leur fils Arthur, un de leurs fils, fouillant les papiers, les archives familiales, dans le grenier, tombe sur ce manuscrit, tombe sur ce cahier, le lit et est complètement fasciné par ce qu'il lit dedans, puisqu'en fait, dedans, il y a cet auteur qui décrit comment, il y a très longtemps, dans les années 1840, il a vécu des choses incroyables à Fidji et à Tonga. En passant aussi par l'Asie, par Futuna, etc. Il a un style drôle, il y a des aventures incroyables. Donc il est tout à fait fasciné. Et l'auteur de ce cahier explique que ce cahier représente la copie de 3 petits cahiers qu'il a choisis parmi 19 cahiers autobiographiques. C'est-à-dire que Cannibal Jack avait écrit 19 cahiers et que ça, c'est la copie du numéro 9, du numéro 16 et du numéro 17. On n'a jamais compris pourquoi il a choisi cela plutôt que d'autres. Et donc le fils Hadfield avec James Hadfield reprennent ce dossier en main et se disent « Mais ce témoignage est incroyable, il faut qu'on le publie ». Donc ils vont faire un travail d'édition et en 1928 sort ce livre qui s'appelle « Que eux nomment Cannibal Jack, la véritable autobiographie d'un homme blanc dans les mers du Sud ». Voilà la devanture du livre.
vous voyez qu'ils ont fait un dessin évocateur avec tous les clichés de l'exotisme en vigueur, parce qu'en fait, finalement, ce qu'ils vont essayer de faire, c'est de vendre ce livre à la fois, disons, dans le créneau du roman des mers du Sud, qui est en plein essor à l'époque, avec Hollywood, hein, notamment, etc. Et donc, ils vont faire ce livre. Donc, le livre, qui s'appelle Cannibal Jack, sort en 1928, et c'est là qu'on voit ça. Ils essayent de déchiffrer, parce que sur la première page, l'auteur a écrit « Voici quelques extraits de l'autobiographie de William, hein, son nom de famille, alias Cannibal Jack. » Et donc là, je vous ai mis, parce que c'est quand même assez intéressant, hein, ils ne savaient pas, ni d'Ève ni d'Adam, qui était enfin, James Hadfield se rappelait que ce vieillard lui avait donné ça, mais il n'avait pas fait un questionnaire sur son identité. Et donc, ils essayent de déchiffrer le nom de famille. Et donc, je vous ai mis en photo le manuscrit à la main, vous voyez, à gauche. William, Dia, et donc eux, ils ont lu, ils ont réfléchi, et ils ont lu Diapea, avec un A. Si vous regardez bien comment il écrivait les A, et comment il écrivait les R, bon après, c'est facile quand on connaît la fin de l'histoire, en fait, il s'appelait Diapeur, mais finalement, ils ont fait une erreur d'interprétation. Et donc le livre est sorti en s'appelant Diapea. Voilà. Donc ça se passe en 1928. Le livre a un petit succès d'estime, hein. Il y a des revues littéraires, enfin il y a des comptes rendus, il y a des gens qui trouvent ça nul, d'autres qui trouvent ça très bien, etc. Mais il tombe dans l'oubli rapidement, c'est pas devenu un best-seller du tout, etc. Alors qu'à l'époque, ce genre de livre peut faire des best-sellers. Il y a un journaliste qui dit, mais dans ce livre, il y a vraiment de quoi faire un film, ce serait super, mais finalement c'est pas ça qui va être fait, mais en 1932, ils vont faire Tarzan. Mais c'est un peu la même idée, vous voyez, l'homme singe, l'homme élevé par les animaux, etc. Mais c'est pas Cannibal Jack qui va remporter et qui va devenir soudain le grand succès d'estime. Et donc, ça tombe complètement dans l'oubli. Mais James Hadfield, Hadfield, le fils, qui est ici en photo sur la gauche de votre écran, lui considère que c'est un peu dommage de laisser tomber cette affaire, qu'il y a certainement plus à dire et plus à réfléchir à partir de ce livre, d'autant que c'est un projet éditorial qu'il a porté lui-même et que ça lui rappelle son enfance dans les îles, puisqu'il est né à Ouvéa, voilà. Et donc, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, donc une quinzaine d'années après la sortie du livre, voire une vingtaine d'années, il va écrire une lettre à Jim Davidson, qui est au milieu de votre écran. Et Jim Davidson, c'est un professeur d'histoire, un Néo-Zélandais, qui va devenir dans les années 50 le premier professeur d'histoire du Pacifique en Australie, lors de la première chaire d'histoire du Pacifique qui est créée au moment où se crée l'Université nationale australienne. Et donc ce Jim Davidson, si vous voulez, c'est le père fondateur de l'histoire du Pacifique. Donc c'est quelqu'un de très important. Et en fait, ce qui est bien, c'est que à l'Université nationale australienne, il y a les archives de Davidson, ses propres archives, et donc il y a sa correspondance avec Hadfield qui lui dit: je ne sais pas si vous savez qu'on a fait ce livre-là. Et donc, Davidson dit: ah, effectivement, ça a l'air très intéressant. Et puis, parallèlement, Davidson reçoit aussi un courrier de Christopher Legg, qui est sur la droite de votre écran, qui est un autre personnage intéressant. Christopher Legg, c'était un sous-préfet de Fidji, un personnage original, paraît-il, mais qui avait comme particularité de... Ben, c'était un amateur d'histoire. Et il était à Fidji et il lisait beaucoup de livres historiques, de témoignages historiques sur Fidji. Et lorsqu'il a lu Cannibal Jack, le livre Cannibal Jack de 1928, il a tiqué. Il a tiqué parce que il avait lu en parallèle un autre livre bien plus ancien, Journal of a Cruise Among the Islands of the Western Pacific, qui est un livre qu'a écrit un capitaine de la Royal Navy en 1853 qui s'appelait Erskine. Ce Erskine avait fait toute une tournée dans les îles du Pacifique Sud-Ouest et a raconté son exploration dans ce livre-là. Et en annexe de ce livre-là, il a dit: je mets en annexe ici le témoignage de l'interprète qu'on a embauché sur notre bateau, un certain John Jackson. Parce que ce John Jackson, on a découvert qu'il avait vécu des années
et des années à Fidji et en Nouvelle-Calédonie, et que tout ce qu'il raconte depuis nous a été confirmé par les missionnaires et par les témoins européens. Et donc, voilà son récit, et, ça va, et donc ça s'appelle dans le livre, ça s'appelle Jackson's Narrative, le récit de Jackson. Ok, ça, ça sort en 1853, c'est un très vieux livre. Et donc Christopher Legge, le sous-préfet de Fidji, 100 ans plus tard, lit le livre Cannibal Jack de 1928 et lit Jackson's Narrative et il se rend compte qu'il y a la même anecdote dans les deux ouvrages. Je ne rentre pas dans les détails, mais c'est, ça a à voir avec une bataille bien particulière qui a lieu dans le nord-est de Vanua-Levu, à Fidji, avec les mêmes acteurs, les mêmes circonstances, et le narrateur qui dit « le chef machin me réveille à 2h du matin, je ne veux pas y aller, mais il me dit d'y aller, on y va, on attaque, ça se passe comme ça. » Et c'est la même anecdote qui est racontée dans les deux cas. Et donc, et dans cette anecdote, il n'y a pas d'autres blancs, il n'y a pas d'autres témoins européens, il n'y en a qu'un. Donc, Legge, Christopher Legge, en voyant ça, commence à être extrêmement intéressé. Il écrit à Jim Davidson, l'historien de Canberra, en lui disant « Je ne sais pas si vous avez remarqué cette histoire, mais là, moi, je viens de lire ces deux livres-là et je constate que ce serait peut-être le même auteur, que ça ne m'étonnerait pas. » Davidson lui répond « Ça, par exemple, il se trouve que Hatfield m'a écrit à propos de ce livre, voilà notre correspondance des années 40. » Et donc, alors là, ça devient une autre histoire. Parce que dans ce Jackson's Narrative écrit en 1853, l'auteur Jackson raconte qu'il était sur un baleinier, qu'il était marin baleinier, et puis qu'il avait 20 ans, et qu'il a été capturé à Samoa, qu'il a vécu un certain temps à Samoa, puis que de là il est allé à Fidji. Et donc Legge commence à se dire, mais ça veut dire que si c'est le même auteur, ce type a d'abord été capturé à Samoa, puis il a longuement vécu à Fidji, puis il est allé à Tonga. Ça commence à faire beaucoup, parce que si vous vous rappelez, le livre de 28 racontait Fidji-Tonga, et là ça raconte Samoa-Fidji. Donc Legge, à partir de là, va être complètement obsédé par cette affaire. Et il va faire des recherches extrêmement poussées, il va chercher toutes sortes d'archives, à droite, à gauche, de témoignages. Je ne rentre pas dans les détails, mais ça va durer 6 ans, jusqu'à finalement faire un article sur la biographie de ce Cannibal Jack. Je vous ai mis la première page ici. « William Diaper, a biographical sketch », donc une esquisse biographique. Et cet article-là va apparaître dans le premier numéro, qui est un numéro historique, du Journal of Pacific History, qui est fait à Canberra en 1966. À partir de là, Cannibal Jack, pour la communauté des historiens, des anthropologues, des scientifiques, des chercheurs du Pacifique, à partir de là, Cannibal Jack, ça va être la vedette du monde entier. Parce qu'on va dire, mais donc les gens vont se... Étant guidés par cet article-là, ils vont aller voir les livres, et les spécialistes de Samoa, les spécialistes de Tonga et les spécialistes de Fidji, ils vont en rester baba. De la précision des noms qui sont donnés, des lieux, des circonstances, des scènes, des rituels, des guerres, des armes utilisées, etc. Et donc à partir de ce moment-là, de 66 jusqu'aux années 70, 80, 90 et plus, tous les, voilà, les écrits de Cannibal Jack, dont on a compris que finalement John Jackson en fait était un pseudonyme de ce William Diapea qui finalement n'est pas Diapea mais est Diaper et qui s'est aussi surnommé Cannibal Jack, donc on a déjà 4 noms différents pour le même bonhomme, on se rend compte qu'en fait ses écrits sont extrêmement précieux. Et donc des gens comme Marshall Salins va énormément utiliser les écrits de Cannibal Jack par exemple. Cela étant, si vous penchez, vous reprenez ces deux documents, dans Jackson's Narrative, le livre qui a été écrit en 1853, Erskine raconte que ce Jackson a écrit ce texte sur Fidji, mais qu'à la fin de la tournée sur le bateau, quand ils sont arrivés à Sydney, il est parti en disant, mais le capitaine Erskine lui a fait promettre d'écrire la suite de ses aventures. La suite de ses aventures qu'il avait certainement dû lui raconter à l'oral à bord du bateau, c'est-à-dire la fin de son séjour à Fidji, et surtout, dit-il, son séjour avec les Calédoniens, ce qui veut dire à l'époque les Kanaks. Le mot calédonien désigne les autochtones de Calédonie.
Et donc, Erskine écrit, il m'a promis d'écrire la suite, mais depuis, j'ai demandé des nouvelles de lui, il a disparu, et j'ai jamais, plus jamais entendu parler de lui. Premier indice. Dans le livre Cannibal Jack de 1928, qui correspond donc au manuscrit qu'il a écrit à la fin de sa vie quand il était vieillard, il dit que si on l'appelle Cannibal Jack, c'est notamment parce que il y a très longtemps, il a écrit plein de livres, et notamment il a écrit un livre qui s'appelait Jack the Cannibal Killer, Jack le tueur de cannibales, et que les gens, au bout d'un moment, ont mélangé, et du coup qu'ils ont créé le surnom Cannibal Jack. Autrement dit, pour les chercheurs à partir des années 60 qui ont ces deux textes-là, ils se disent « Ah ok, ça veut dire qu'il n'y a pas que ces deux manuscrits-là, il en a écrit un autre au milieu qui s'appelle Jack the Cannibal Killer. Où est-il? Que se passe-t-il? Aucune idée. » Jusqu'à ce que on ait un témoignage extrêmement important du révérend George Brown, qui est ici en photo, assis, qui était un des grands missionnaires de l'église méthodiste et qui a notamment été longtemps missionnaire à Samoa dans les années 60. Et à la fin de sa vie, en 1911, il a écrit un texte de ses souvenirs du bon vieux temps dans les îles. Un texte qui s'appelle « Old Hands and Old Times in the South Seas ». Et dans ce texte qu'il a écrit à la fin de sa vie, le révérend Brown raconte sa rencontre avec Cannibal Jack à Samoa en 1863. Donc ça, c'est une pièce qui a été découverte par Legge et Davidson, qui a été rajoutée au dossier. Bon, et donc il raconte plein de trucs extrêmement intéressants sur la personnalité de Cannibal Jack à ce moment-là. Mais il dit une chose aussi très importante, parce que ce révérend Brown, il a lu le texte d'Erskine dans lequel il disait qu'il lui a fait promettre d'écrire la suite de ses aventures. Et donc Brown va demander à Cannibal Jack, mais alors finalement, est-ce que tu as écrit la suite? Et qu'est-ce qui s'est passé? Et il va nous raconter ce que lui répond Cannibal Jack à l'époque à Samoa. Et il dit, eh bien oui, j'ai écrit la suite. Mais finalement, je me suis retrouvé en Nouvelle-Zélande, il n'y avait plus de pièces. Donc je suis allé voir un bonhomme qui venait d'éditer un livre sur un paquet à Maori, un libraire en gros. Je lui ai montré mon manuscrit et je lui ai demandé, lisez ça et dites-moi ce que vous en pensez. Et donc le type l'a lu, il a dit ça m'intéresse, combien je l'achète, est-ce que je peux vous l'acheter? Et il a dit ok. Et donc Cannibal Jack raconte au révérend Brown, bah finalement cette suite je l'ai écrite mais je ne l'ai pas donnée au capitaine Erskine comme prévu, je l'ai vendue à un mec d'Auckland. Ok. Sur ce, Brown lui demande le nom de la personne à qui il l'a vendue. Mais dans son texte, Brown, il n'a pas écrit le nom de ce type. Mais il dit, Cannibal Jack m'a donné le nom de la personne à qui il l'a vendu, et des années plus tard, je l'ai rencontré. Et je lui ai demandé si effectivement il avait acheté un livre de Cannibal Jack, et le type était très surpris, il a dit oui, effectivement. Est-ce que je peux vous l'emprunter? Oui. Et il l'a feuilleté, et il a dit, mais j'ai pas pu en faire de copie, enfin j'ai pas pu recopier quoi que ce soit. Je l'ai rendu au propriétaire. Et puis, là, récemment, j'ai essayé de trouver sa trace, mais en fait, je découvre qu'il est mort depuis longtemps et que ses textes ont disparu. Bon. Fin de l'histoire, pensait-on, jusqu'en 1993. Donc, un saut dans le temps. 1993, il y a ce pasteur australien qui s'appelle William Emilsen, qui étudiait dans la bibliothèque d'un collège théologique à Sydney, à Enfield, dans le bâtiment que vous voyez là. Et qui était un vieux bâtiment du début du XXe siècle, dans lequel il y avait d'anciennes chambres étudiantes transformées en petites salles de bibliothèque. Et Emilsen raconte que là, il y a un espèce de vieux miroir avec un espèce de placard derrière. Et que lui, mécaniquement, il ouvre le miroir, il ouvre la porte du placard, et que là, dans le mur, il y a deux vieux manuscrits poussiéreux. Il les prend, il le montre au libraire, au bibliothécaire. Le bibliothécaire lui dit, oh, je ne sais pas ce que c'est. Il les embarque chez lui et il les retranscrit.
Et il se rend compte que c'est le fameux manuscrit Jack the Cannibal Killer de Cannibal Jack. Qu'est-ce que ce livre est allé faire dans ce collège? Aucune idée. Enfin, j'ai quand même une idée, c'est qu'à mon avis, George Brown, qui a écrit cette histoire en 1911, après l'avoir écrit, il a dû remettre la main sur les manuscrits, ou alors des proches à lui ont dû remettre la main sur le manuscrit, et ils l'ont caché, et Emile Sen l'a découvert. Mais bon, c'est un sacré... C'est un hasard incroyable. Là-dessus, Emile Sen, donc, va commencer à découvrir ce texte. Il va passer plusieurs mois à tenter de le transcrire et de retranscrire à l'ordinateur. Et puis, il va se dire, je vais essayer de le publier. Mais comme c'est une somme énorme, hein, il y a 2 tomes très très denses, il s'est dit, je vais publier des chapitres en fonction des lieux. Donc en 1996, il a publié le premier chapitre dans lequel Cannibal Jack raconte ses pérégrinations en Nouvelle-Zélande, en 1846-47. Il va sortir un petit bouquin qui s'appelle « Qu'il va... » Donc vous voyez que c'est un extrait de Jack the Cannibal Killer, et Emile Sen va l'appeler « The New Zealand Journal of William Dapper ». 3 ans plus tard, il va faire la même chose avec les chapitres dans lesquels Cannibal Jack raconte son séjour la façon dont il a fait la ruée vers l'or en Californie et en Australie. Et il publie ça, donc deuxième livre, en 99. Mais il reste le gros morceau, parce que le gros morceau de ce manuscrit, en fait, c'est la Calédonie. Et c'est des centaines de pages. Des centaines de pages. Donc, Emile Sen, après avoir fait ces 2 trucs-là, se dit « Bon, maintenant, je vais faire la Calédonie. » Donc, il va venir ici en 2001 pour essayer de retrouver des traces. Il va contacter des intellectuels locaux à qui il va expliquer cette histoire de manuscrit. Il va les montrer. Il va montrer notamment sa retranscription. Et puis, ils vont essayer de l'aiguillonner en disant « Bah là, voilà. » Et donc, à ce moment-là, une partie de cette retranscription-là, donc de ce que Emile Sen a tapé, ça va circuler en Calédonie, dans les cercles locaux. Et il y a des photocopies qui sont faites. Et donc finalement, Emile Sen repart, mais il y a une copie de sa retranscription qui reste ici, et qui circule. Certains essayent de déchiffrer, de mettre des noms, etc. Et finalement, cette copie, elle a fini par arriver aux archives de la Nouvelle-Calédonie, où elle se trouve aujourd'hui. Mais Emile Sen fait ce voyage en 2001, ici en Calédonie. Il ne parle pas français, il ne lit pas le français, ce qui est quand même ce qui rend très compliqué l'édition d'un livre, où, si vous voulez, quand il y a un nom qui apparaît, en fait, il faudrait pouvoir plonger dans l'historiographie en français, dans les livres en français, ou faire des enquêtes locales avec les gens pour bien comprendre qui est qui. Voilà. Et donc, et comme c'était un hobby, finalement, il ne se passe rien. Et depuis 2001, il ne se passe rien. Il s'est passé quand même un petit quelque chose, c'est que Jean Guihard, l'anthropologue Jean Guihard, que vous connaissez sûrement, qui était là, il a reçu Emile Sen, il a vu ses manuscrits, et lui, comme tous les autres avant, il a trouvé ça hallucinant. Il a trouvé que le texte était d'une richesse prodigieuse. Et donc, il a fait un article qui est paru en 2004 à ce sujet, dans le journal de la Société des Océanistes. Un article intitulé « Du nouveau sur Cannibal Jack » où il dit le pasteur Emile Sen vient de découvrir ces 2 manuscrits qu'il m'a laissé regarder, ils sont tout à fait incroyables, etc. Et pour vous dire où moi j'arrive dans l'histoire, en fin de compte, c'est que cet article de Jean Guihard a tapé dans l'œil d'un éditeur en France, des éditions Anacarsis, qui a essayé de creuser cette histoire et qui s'est dit, mais cette histoire de Cannibal Jack, il faudrait faire une vraie recherche profonde, reprendre tout le dossier. Et donc il m'a passé la patate chaude, et une fois qu'on y goûte, on est complètement accro. Donc depuis, j'essaye de mieux comprendre tout ça. Voilà où on en est aujourd'hui, avec cependant 2 choses à souligner. La première, c'est que je vais arrêter sur la question des sources, etc. Mais il y a quand même une chose importante, c'est que
depuis une dizaine, quinzaine d'années, il y a quelque chose qui a profondément changé. C'est que tous les anciens journaux australiens et néo-zélandais du 19e siècle ont été intégralement numérisés par les bibliothèques nationales australiennes et néo-zélandaises, qui sont donc numérisés, qu'on peut faire des recherches par mots-clés, et que tout ça est gratuit et c'est sur Internet. Donc, on ouvre Trove pour l'Australie ou Paper Pass pour la Nouvelle-Zélande, on tape Cannibal Jack, et là, il y a tous les papiers qui ont, avec le mot Cannibal Jack, de 1840 à 1890. Donc ça, ça ouvre des possibilités de recherche prodigieuses qui n'existaient pas pour Jim Davidson, Christopher Legge, etc. Et grâce à ça, moi, j'ai pu retrouver des documents, je ne rentre pas dans les détails, mais notamment en 1880, dans un journal de Fidji, le Fidji Argus, il y a un très long article biographique où Cannibal Jack raconte sa vie de A à Z. En tout cas, il la raconte à un journaliste. Et donc, c'est un autre document autobiographique qui permet de mieux comprendre sa trajectoire. Et ce qui est très troublant, c'est que quand on met ce document, qu'on le superpose aux différents écrits, le livre de 28, etc., etc., à chaque fois, ça concorde. Donc, c'est un indice de véracité très important. Et puis, la dernière chose, c'est que moi, quand j'ai repris l'enquête à partir de 2017, j'ai repris contact avec le pasteur Émile Sen, qui a ces fameux manuscrits qui sont ceux sur la Nouvelle-Calédonie. Je l'ai vu à Sydney, et il avait à la fois envie et pas envie de me les montrer, parce qu'en fait, il a fait un gros boulot déjà de transcription, et qu'il voudrait finir de publier ça avant que ça circule. Et finalement, il m'a dit, ben, regarde-les, mais ne les copie pas. Ne fais rien. Et donc, alors, il y a la première partie du récit sur la Nouvelle-Calédonie, c'est la fameuse copie qui a circulé en Calédonie et qui se trouve maintenant aux archives. Donc, celle-ci, je l'avais déjà. Mais il y a la deuxième partie sur la Calédonie, ça correspond au deuxième séjour de Cannibal Jack. Ça, c'était complètement inédit. Et je pense que j'ai l'impression que personne ne l'a vu, même ici en Calédonie. Donc, il m'a laissé un petit moment pour le feuilleter. J'ai pris des notes à la volée, il m'a laissé copier les choses sur Koné, parce que moi j'ai beaucoup travaillé sur Koné, donc voilà. Mais finalement, j'ai vu passer ça comme ça, très vite. Et depuis, il ne répond plus. Parce que je pense qu'il a un peu flippé de ma venue, ou que ça l'a stressé de voir que... Et puis, ça fait maintenant 30 ans qu'il a découvert ces manuscrits. Alors il ne les a pas donnés à moi. Il y a un organisme qui s'appelle le Pacific Manuscript Bureau de l'Université nationale australienne, dont le but spécifique, c'est la préservation des manuscrits historiques sur le Pacifique, qui l'a contacté, il n'a pas répondu, enfin voilà. Et donc le contact est rompu. Et je pense que c'est très dommage. Et c'est aussi pour ça que je fais cette conférence et tout ça. Je voudrais que cette chose soit rendue publique, parce qu'à mon avis, c'est... En fait, il a trouvé ses manuscrits, mais ce n'est pas les siens, en toute rigueur. Et c'est surtout, ils auraient un sens, ça aurait vraiment du sens qu'ils soient ici, ou qu'en tout cas, il y ait une version disponible, bien faite, en Calédonie. Parce qu'en fait, ce que Cannibal Jack raconte de la Calédonie, dans les années 1840 et 1850, c'est tout à fait unique. Et ça mériterait d'être un support mémoriel de première importance pour comprendre ce pays, et notamment comprendre ce qu'était la Calédonie avant les colons, puis juste après la prise de possession. Il y a plein de choses dans ce document, et je pense que c'est pas normal que les gens de ce pays n'y aient pas accès. Donc c'est un appel, s'il y a des responsables administratifs, politiques, diplomatiques, voilà. Je pense qu'il faut saisir ça. Alors maintenant, après vous avoir raconté tout ça, je vais évoquer très vite les voyages de Cannibal Jack. Le problème, c'est que Cannibal Jack, il a une vie tellement dense que pour en parler, il faudrait des heures et des heures. Donc, Cannibal Jack, il est parti d'Angleterre à 16 ans, finalement. Il était très lettré. Il est parti sur un bateau qui s'appelait le Joshua Carroll, qui a fait une escale dans le Pacifique, en Afrique, et il a déserté quand il est arrivé en Australie. Et en Australie, il a fait toutes sortes de choses. Il a circulé, etc. Et puis, finalement, 2 ans plus tard, il est donc parti sur un baleinier qui s'appelait le Pocklington.
Il est parti en décembre 1838. On a trouvé la trace de ce baleinier à plusieurs reprises à Tahiti. Puis il est monté jusqu'aux îles Kiribati actuelles. Et donc en janvier 1840, il était au Samoa. Et c'est là que le jeune homme, puisqu'il avait à peine 20 ans, a été capturé par les Samoans. Le bateau est reparti. Et donc lui, il a fait sa mue incroyable dans le Pacifique. Je vais essayer de passer vite, hein, parce que sinon on y est jusqu'à demain. Donc il va vivre 2 ans à Samoa, quand on met tout bout à bout, il va vivre 2 ans à Samoa. Puis de là, il va aller 5 ans à Fidji. Il va faire un voyage jusqu'en Inde et en Chine. Il va revenir en s'arrêtant à Futuna. Il retourne à Fidji. De Fidji, en 1846, il va à Tonga. Donc à chaque fois, c'est en vivant avec les gens, hein, parce qu'il y a... Toutes ces îles ne sont pas colonisées, il y a quelques missionnaires à droite à gauche, donc il y a certains lieux qui sont chrétiens et d'autres qui sont complètement païens. Et lui, il s'entend difficilement avec les missionnaires, parce qu'il a un mode de vie qui ne correspond pas à la morale missionnaire. Il va à Tonga en 1846, de Tonga, donc à chaque fois il monte sur des nouveaux bateaux, il va jusqu'en Nouvelle-Zélande, il sillonne la Nouvelle-Zélande, puis il repart à Sydney, et à Sydney, il embarque à bord d'un bateau santalier. Donc les navires qui venaient chercher du santal dans les îles, en particulier aux Nouvelles-Hébrides, le Vanuatu actuel et en Calédonie. On sait que le bateau fait escale début novembre à Wellington, en début novembre 47 à Wellington, en Nouvelle-Zélande. Puis dans les jours qui suivent, dans le mois qui suit, il se trouve aux Nouvelles-Hébrides, puis en Calédonie. Et c'est en Calédonie que Kadimadjak va déserter du bateau, en novembre 1847. Et là, j'y reviendrai, mais il va passer à peu près 2 ans à circuler sur la Grande Terre. En 1849, après avoir fait ce tour de la Grande Terre, il embarque sur un autre bateau santalier qui appartient à James Paddon, qui était un grand santalier, qui après va devenir un des premiers colons de la Calédonie, mais qui à l'époque était basé à Aneutum, l'île la plus australe du Vanuatu. Donc il arrive sur cette station missionnaire, santalière, surtout pas missionnaire. Et il travaille sur cette station santalière jusqu'à ce qu'il y ait un navire de la Royal Navy qui passe, qui s'appelle le Fly, du capitaine Oliver. Et à ce moment-là, ce capitaine rencontre ce type qui se fait appeler John Jackson depuis qu'il a déserté en Calédonie et se rend compte qu'il parle les langues du nord de la Grande Terre. Et que comme Oliver a vocation à aller ensuite sur la Grande Terre, il l'embarque à bord pour être interprète. Donc, Diaper est interprète sur ce bateau de la Royal Navy, ils font un tour, ils finissent et retournent à Sydney, et là, le capitaine Oliver, qui a été très satisfait des services de cet homme-là, en parle à son supérieur, qui n'est autre qu'Erskine du Havana, qui réembauche Diaper, qui repart faire une tournée dans le Pacifique. Et c'est à ce moment-là dans sa vie, que le capitaine Erskine lui se rend compte que ce type connaît plein de choses et lui demande d'écrire. Donc c'est à ce moment-là qu'il rentre en écriture. Ça fait déjà 10 ans qu'il sillonne le Pacifique, qu'il a vécu des trucs pas possibles, mais à partir de là, il va avoir une vocation d'écrivain. Et donc, il fait la tournée, il écrit ce texte-là, puis après il disparaît. Il disparaît pourquoi ? Parce que c'est l'époque de la ruée vers l'or en Californie et que Kadimadjak allait en Californie, pas de problème, je suis à Sydney, on n'a qu'à traverser le Pacifique. Il va faire la ruée vers l'or en Californie, ça se passe pas bien. Du coup, il dit bon, bah, on va aller au Mexique, il va au Mexique, il va au Pérou, il va au Chili, il embarque sur un bateau qui passe par les Marquises et qui retourne à Sydney parce qu'il a entendu dire que maintenant il y a la ruée vers l'or en Australie. Il fait 2 ans la ruée vers l'or, ça a l'air facile comme ça, hein, mais c'est plus difficile. Il fait 2 ans la ruée vers l'or en Australie, et en 1853, il repart sur un bateau, il dit qu'il veut aller fonder un petit bar à Hawaï. Pourquoi pas? Mais il n'y arrive jamais parce que finalement il déserte aux îles Loyauté. Et il fait un tour aux îles Loyauté, puis sur la Grande Terre, et là donc c'est le deuxième séjour de Kadimadjak en Calédonie, qui a lieu grosso modo entre 1853 et 1859. Or, je vous rappelle que les Français prennent possession de la Calédonie en septembre 1853. Donc il arrive pile à ce moment-là et il reste pendant 5-6 ans dans la colonie. Deuxième séjour de Kadimadjak. Hein. Le premier, c'est avant les Français, le deuxième, c'est juste au tout début. Suite à ça, qu'est-ce qu'il fait déjà ? Ensuite,
Ah oui, bien sûr, je me rappelle. Attendez, c'est quand même important. Parce qu'il est là, il est en Calédonie, sur la Grande Terre, il fait des choses pas possibles et tout. Et en 1857, il passe à Canala. J'y reviendrai après, mais il passe à Canala, où il y a un comptoir santalier, pour Padone. Et là, il apprend d'un capitaine de bateau venu d'Australie, qui lui dit « Tiens, j'ai vu que ton livre est sorti », raconte-t-il. C'est-à-dire le livre du capitaine Erskine. Hein. J'espère que vous me suivez, parce que je n'ai pas le temps de tout raconter. Hein. Et donc, il lui dit « Tiens, j'ai vu que ton livre est sorti ». Et à ce moment-là, Cannibal Jack se dit « J'ai promis au capitaine Erskine d'écrire la suite, il faut que j'y aille ». Conclusion, il va monter sur un bateau. Alors, il est à Canala, il va faire encore quelques trucs dans le nord de la Calédonie, j'y reviendrai, il va aux îles, et finalement, après, il monte sur un bateau jusqu'à l'île de Pohnpei, qui est en Micronésie. Parce qu'on lui a dit que c'était un endroit bien pour écrire. Il va rester un an là, finalement, ça va très mal se passer, parce qu'il n'est pas bien intégré, etc. Mais c'est là qu'il va écrire Jack the Cannibal Killer, son deuxième manuscrit dans lequel il raconte ses aventures de Calédonie. Donc il repart de 1846 et il raconte, donc il écrit en 59, il part de 46, et il raconte tout son passé jusqu'à ce que sa plume arrive à son présent. Donc il a raconté ce qu'il a fait en 46, en 47, en 50, en 53, en 56, en 57, en 58 et en 59. Et donc à la fin, il est en train d'écrire, ça devient un journal de bord, ça devient un journal quotidien. Et continue d'écrire pendant l'année 1860, alors qu'il repart, il va, donc Pohnpei, voilà, c'est là sur la carte, il continue d'écrire, il va aller jusqu'à Guam, puis il va circuler dans le Pacifique, et finalement, il va se retrouver en Nouvelle-Zélande en 1861. Donc vous voyez qu'il en a effectivement couvert des milliers et des milliers de kilomètres dans une frénésie de mouvement qui est difficilement explicable. Il se trouve donc finalement en Nouvelle-Zélande, et c'est là qu'il vend ce manuscrit qu'il a fait pendant 2 ans à un type, ce libraire d'Auckland, le fameux manuscrit Jack the Cannibal Killer retrouvé par miracle par Emil Sen en Australie. Il vend ça et puis il repart encore par Monts et par Vaux. Il va en l'occurrence à Samoa où il va rencontrer le révérend George Brown, si vous vous rappelez ce que je vous ai dit avant. Puis de Samoa, il part à Fidji. Alors là, il y a 2 versions. Il y a une version qui dit qu'il est resté à Fidji et une autre version qui dit qu'il est un peu allé au Salomon, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Globalement, il va rester une 20aine d'années à Fidji. Là, il se sédentarise et il va faire plusieurs activités. Mais peu à peu, là, à Fidji, la colonie va le rattraper en quelque sorte. Parce que Fidji devient une colonie britannique en 1874. Il y a déjà pas mal de colons qui se sont installés, de planteurs qui font du coton puis du sucre. Et à la fin, il est là et il est finalement contremaître d'exploitation. Il commence à être bien tassé, bien vieux. Il donne l'interview dans le journal dont je vous ai parlé tout à l'heure, en 1880, donc il a 60 ans. Mais il a toujours la flamme. Et finalement, en 1885, il repart à l'aventure. Je vais vous expliquer avec qui, parce que là, on se rapproche de ce qu'on connaît plus. Et il repart et il va arriver aux îles Loyauté, une nouvelle fois. En 1886, il est à Marais. Et puis, on retrouve sa trace 3 ans plus tard. Il est à Lifou, excusez-moi. Et 3 ans plus tard, il est à Marais, en 1889, et c'est là qu'il est vieillard et qu'il reste chez Jerry Imbert, qui rencontre Hadfield, qui lui donne son dernier manuscrit, et il meurt juste après. Voilà son histoire. Alors, j'avais prévu de vous raconter en détail tout son parcours en Calédonie, mais je vais devoir aller plus vite que ça. Sachez qu'il a déserté de son premier voyage entre 47 et 49, il a déserté du bateau santalier à Wailou. Et puis après, peu à peu, il est remonté le long de la côte nord-est, tantôt en pirogue, tantôt à pied. Il a sillonné jusqu'au nord, il est redescendu, il est remonté, il est passé par l'intérieur des terres, il est allé jusque dans les îlots de l'extrême nord, jusqu'à Belep, revenu. Et puis finalement, au bout d'un moment, il a traversé, il s'est retrouvé sur la côte ouest, à Kumak, il est descendu à Gomen, il est descendu peu à peu jusqu'à Kone, où il est beaucoup resté à Kone. Là, il a fait quelques petites traversées jusqu'à la côte est. Il est revenu à Kone, il est descendu vers Poya, faire la guerre avec les gens de Kone contre des gens de Poya. Puis il est allé
Il est descendu vers Bouraille faire la guerre avec les gens de Koné contre des gens de Bouraille. Là, ça s'est mal passé, il s'est retrouvé tout seul. Il a traversé à pied jusqu'à Canala. De Canala, il est revenu dans la baie de Saint-Vincent, vers Tontouta. Mais voilà, là, il a piqué un bateau, il est remonté à Koné. Il est resté à Koné pendant des mois et des mois. Puis ils sont redescendus encore pour une coutume avec les gens de Koné à Poya. Alors comme ça, je vous dis ça comme ça, mais tous les noms de chefs qu'ils donnent et tous les noms de lieux qu'ils donnent tombent juste. En fait, c'est tout à fait sidérant. Quand il est à Koné, il dit qu'il y a le roi Boumé. Vous avez les Nam Boumé à Koné qui sont des Boumé qui sont des clans importants. Et après, il devient très proche du chef Mwangu, qui est un chef qu'on retrouve plus tard, à l'époque coloniale, 20 ans plus tard, quand l'armée française arrive. Il arrive à Poya, il va chez le chef Nekliyai. Et ainsi de suite, quoi. À Yengen, il est avec Boirat. Il est à Puebo, il est avec Bonou, Hippolyte, qui deviendra Hippolyte Bonou plus tard. Il est à Tiwaka, il est avec le chef Aman, dont le fils est Apengen. Et Apengen, après, aura une importance forte quand il y aura la mission de Wagap. Enfin, si vous voulez, si vous regardez chaque localité où il a été en détail, en fait, les noms de clans, les noms de lieux tombent juste. C'est ça qui est tout à fait... C'est ça qui fascine, en fait. C'est que c'est pas des noms en l'air. Et quelqu'un comme Guiard, qui avait vraiment beaucoup travaillé sur le monde kanak, il l'a même dit dans son article de 2004, il a dit, en fait, tous les noms de lieux et tous les noms des gens sont justes. Et les trajets qu'il décrit, ce qu'il fait à pied, c'est juste. Enfin, voilà, ça tombe juste. Du coup, on est troublé. Mais on est troublé aussi parce que dans ses textes, il dit ça, mais à côté de ça, il raconte des aventures abracadabrantesques. C'est-à-dire des combats, des bagarres, il raconte comment il est nerveux, comment il se met à tabasser les gens. Et puis en plus, il est toujours sur la braise, quoi. Donc il supporte pas la monotonie, il part, etc. Donc on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et en même temps, je vous dis, à chaque fois qu'on a des éléments sur lesquels, pour objectiver sa situation, ben, ça tombe juste. Donc c'est fascinant. Et donc je vous disais, il est à Koné, il va faire une coutume à Poya, et là, il y a trois bateaux santaliers qui arrivent en même temps. Et ça, grâce aux journaux australiens numérisés sur Trove, j'ai pu retrouver cet épisode, en fait, parce que dans les journaux australiens à l'époque, ils racontent en détail les tournées des bateaux santaliers. Et donc, eh ben, j'ai pu réaliser que ça s'est passé en juin 1849, c'est-à-dire quasiment 2 ans après qu'il ait débarqué. Donc il a fait ce tour de la Calédonie à peu près pendant 2 ans. En 1849, donc, il y a ces bateaux qui rencontrent Apoya. Ils montent à bord de l'un d'entre eux, qui est le navire, le Gouverneur, qui est un navire qui appartient à James Paddon. Avec ce bateau, ils vont remonter à Koné, parce qu'il va leur dire, les gars, on va aller à Koné chez moi, parce qu'il y a des bons coins de Santal. D'ailleurs, les autres bateaux vont essayer de comprendre où est-ce qu'ils vont. Enfin, ils se font un peu la guerre. Ils remontent jusqu'à Gomen. Ils redescendent à Koné. Et là, ils partent pour de bon. C'est-à-dire qu'il est à bord du bateau. Ils font le tour du sud. Donc, ils passent à Nouméa. Ils dépeignent Yaté, Tio, Canala. Et de Canala, ils piquent vers Anatome, vers les Nouvelles-Hébrides. C'est comme ça que se passe ce premier séjour en Nouvelle-Calédonie. Et alors, je ne peux pas le résumer plus que ça, c'est déjà très compliqué. Les grandes lignes de ce premier séjour et ce qui rend ce témoignage incroyable. Donc d'abord, c'est qu'il fait ses pérégrinations incessantes, c'est-à-dire qu'il ne cesse de bouger. Alors, tantôt, c'est parce qu'il a des problèmes, soit qu'il y a la famine, il y a des situations de famine à l'époque, à Wailou, à Tuo, dans la zone de Puebo et Yambé, là, il raconte qu'il ne peut pas rester parce qu'ils n'ont rien à manger. Soit il y a des guerres, soit il se met mal avec les gens parce que comme il est très vite colère, il s'énerve très vite. Mais des fois, tout se passe bien et en fait, dès qu'il y a de la monotonie, lui, il déprime. C'était quelqu'un de profondément tourmenté, donc il part. Et puis, avec son esprit, il écrit, il dit « Au bout d'un moment, j'ai pris la décision de faire le tour de l'île. » Mais bon, et donc il essaye de faire le tour de l'île. Il voit très peu d'autres blancs. Il y a 2-3 beachcombers qui sont avec lui à Wailou. Et après il les retrouve quelques temps plus tard à Yengen où se trouvent 3 autres beachcombers. Parce que Yengen était en particulier un point important parce que Boirat, depuis le début des années 1840, le grand chef Boirat, était
accueillait très volontiers les Santaliers. Donc c'était un point qui était connu par les Santaliers australiens. Mais hormis ça, il n'y a pas d'autres blancs. Par contre, il y a beaucoup de traces de leur passage, parce que la Calédonie, à l'époque, est dans le moment Santalier. Et donc, il y a des armes, il y a des tissus, il y a des étoffes, il y a des outils, il y a des casseroles, il y a des chiens qui ont été offerts à des chefs, etc. Et donc, ce qu'il raconte, c'est qu'il raconte qu'il est retourné à la vie sauvage. Donc, il s'est mis, comme il l'avait vécu à Fidji, sous la protection de certains chefs qui lui ont donné des noms. Donc, le chef de Tiwaka l'a nommé Atea. Donc, c'est des noms qui... C'est des véritables noms, en fait, hein, de la zone. Apuebo Solé, Tuara à Kumak, Teabue à Gomen. Alors, sachant que ce que je vous dis, c'est ce qu'a écrit Kenny Badjak, mais il écrivait d'oreille, avec son oreille d'anglais, avec sa plume du 19e siècle. Donc, des fois, il faut chercher, il faut répéter, dire à voix haute les noms, et puis comprendre, par exemple, les Paichi disaient Falagit. Donc, c'est quand même pas très facile à saisir, voilà. Il participe à la vie sociale, il fait beaucoup la guerre, comme vous l'avez compris. Il décrit aussi, et ça c'est quelque chose d'intéressant, c'est que son apparence corporelle se modifie au fil du temps. C'est-à-dire que d'abord il raconte que quand il va arriver à tout haut, il va se faire tatouer les cuisses. Donc ça m'a beaucoup interrogé, parce que je ne sais pas s'il y a eu du tatouage en Calédonie. Mais comme il y avait aussi beaucoup de migrations qui venaient de l'Est, des îles Loyauté et au-delà, notamment de Wallis par Ouvéa, c'est possible que ce soit lié à ça. Sa chemise, elle part en lambeaux, donc au bout d'un moment, il va déambuler nu avec un morceau de tapa autour de la taille. Il dit que sa peau devient très 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 foncée. Enfin, il dit une jolie teinte de jaune avec le soleil. J'imagine qu'il était cramé de chez cramé, parce qu'il était quand même anglais. Ses pieds deviennent aussi durs que les semelles de bottes ordinaires, dit-il. Et après, donc, ces deux ans, quand il monte à bord d'un bateau, en fait, les matelots le prennent pour un autochtone au départ. C'est-à-dire que pendant, il raconte qu'il monte et que les mecs le regardent comme ça, et au bout d'un moment, il se met à parler anglais et ils ouvrent des grands yeux comme ça. Ce qui est aussi intéressant de ce témoignage, c'est sa perception de l'organisation politique du monde kanak. Lui, il appelle ça, donc avec ses catégories à lui, hein, il dit « Je suis passé dans une soixantaine de tribus ou royaumes où il y a un chef ou un roi. Ce sont des unités politiques indépendantes dans lesquelles il peut y avoir plusieurs villages, mais qui ont des liens entre elles, des liens d'échange et parfois donc de réciprocité ou de hiérarchie selon les événements. Et il dit par exemple, c'est comme ça que le chef de Gomen, où il n'y a pas encore eu de navire santalier, il y a chez lui un mousquet, un fusil, parce que ce fusil a été négocié sur la côte Est, mais au fur et à mesure, par des échanges, en fait, le fusil a traversé la chaîne et est arrivé jusqu'à la côte Ouest. Et Kenny Badjak se sert après de ce fusil. Donc c'est pour ça qu'il nous raconte l'histoire. Ce qui est intéressant, puisqu'en fait, c'est des traces, des échanges, quoi. Là aussi, c'est des choses qui paraissent pas inimaginables du tout. Alors, je vais pas... passer trop de temps sur ces questions-là. Une chose intéressante aussi quand même que je veux souligner, c'est sa perception du pouvoir des chefs. En fait, elle est extrêmement fluctuante. Ceux qu'il appelle les chefs, dans certains coins, il décrit un pouvoir extrêmement autoritaire, extrêmement autocratique. Mais dans d'autres coins, il dit que les chefs n'ont... Le chef chez qui il vit n'a très peu d'autorité. Et en fait, Kenny Badjak, il n'essaye pas de faire une typologie, il n'essaye pas de faire une généralisation. Il raconte simplement qu'il est passé à tel endroit, et que là, il était sous la protection d'un chef qui avait beaucoup de pouvoir, et là, il était sous la protection d'un chef qui avait très peu de pouvoir. Et il était évidemment très sensible à cette question, puisque sa vie dépendait de ça. Donc, donc il donne une image très nuancée, en fait, de ce qu'était la Grande Terre à cette époque. Voilà. Il évoque un point très important, c'est qu'il évoque la présence des gens d'Ouvéa, beaucoup de gens d'Ouvéa sur la côte Est, qui viennent avec leurs pirogues, qui s'installent, qui font des campements sur les plages, qui viennent, nous dit-il, chercher des arbres pour faire leurs pirogues, et qui échangent des poissons contre des légumes avec les gens de la Grande Terre, et qui aussi entrent dans des échanges matrimoniaux. Ce qui là aussi évoque les mythes d'origine qu'on a pu recueillir plus tard
des clans sur la côte Est qui souvent évoquent des origines loyales siennes. Mais lui, il voit ça. Et c'est un point important, ça permet d'évoquer un autre point intéressant, même décisif, c'est la question des langues. Parce que manifestement, Caniba Jack était très doué pour les langues. Et quand il a vécu à Samoa, au bout de 2 ans, il parlait le samoan. Il a vécu pendant 6 ans à Fidji, dans la zone orientale où il n'y a qu'une langue, hein, qui est ce qu'on appelle le fidjien actuel qui était parlé, il l'a chopé. Quand il est allé à Tonga, il a très vite compris le tongien par sa proximité avec le samoan. Puis il est allé en Nouvelle-Zélande, il a décrit, quand il est arrivé en Nouvelle-Zélande, le fait qu'en fait, il y avait des grandes proximités avec le samoan. Mais par contre, quand il arrive à Wailou et qu'il débarque, qu'il déserte, et qu'il est accueilli par le chef Wanga, qu'on retrouve plus tard dans d'autres archives, hein, il dit, alors là par contre lui quand il me parle, je ne comprends rien. Et donc c'est un gros problème, parce qu'ils sont en train de déserter, ils sont poursuivis par les autres, et il raconte, soudain, il y a ce type qui vient d'Ouvéa et qui est venu me parler. Et là, j'ai découvert que non seulement je comprenais tout ce qu'il disait, mais qu'en plus je pouvais lui parler. Pourquoi ? Parce que cet Ouvéen était un locuteur du Faga Ouvéa. Et que, comme vous le savez sans doute, le Faga Ouvéa, c'est la seule langue kanak d'origine polynésienne, puisqu'en fait, c'est une langue qui est très très proche du Faka Ouvéa qui est parlé à Wallis. En gros, c'est à peu près la même. Comme lui, il parlait parfaitement le samoan, le tongien, évidemment, il avait ce lien. Et donc, c'est grâce à la présence de ces médiateurs linguistiques d'Ouvéa, des Faga Ouvéa, que Caniba Jack va pouvoir parler avec ce chef de Wailou, puisque les gens d'Ouvéa parlent leur langue et parlent aussi la langue locale. Et ces gens-là sont d'autant plus importants que finalement, il va partir à bord d'une pirogue d'Ouvéa pour aller de Wailou jusqu'à Tiwaka, et puis plus tard pour aller de Yengen jusqu'à Pueblo. Quand il arrive à Tiwaka, il raconte que dans la chefferie de Tiwaka, l'un des conseillers proches du chef, qui est celui qui est son boucher en chef, c'est un homme d'Ouvéa qui est installé là, et qui va donc être son interprète pendant longtemps. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'intéressant, c'est quelque chose que les missionnaires avaient aussi remarqué. Quand les maristes sont arrivés à Balade en 1843, en fait, c'est parce qu'il y avait un mariste qui parlait, qui était à Wallis avant, qui parlait le Faka Ouvéa, ils ont pu parler avec les gens de Balade parce qu'il y avait des gens d'Ouvéa qui étaient là. C'est très, très intéressant cet espace de médiation linguistique. Et puis Caniba Jack nous dit qu'au bout d'un moment, il a commencé à parler, à comprendre les langues à la fin de son séjour à Tiwaka, c'est-à-dire qu'il commençait à comprendre le Tsimuki, et qu'ensuite, il a commencé à parler un peu plus haut quand il était dans la Tipinje, qu'il a commencé à parler le Pidje. Et il raconte que de proche en proche, les langues, qu'il parvient à les acquérir. Alors, je doute qu'il ait été un grand linguiste, mais par contre, qu'il ait réussi peu à peu à se débrouiller dans des langues. Et puis il raconte aussi qu'il tombe sur des gens qui systématiquement parlent la langue d'à côté, puisqu'il y avait un multilinguisme très développé dans le monde kanak. Grâce à ça, il va développer ses connaissances linguistiques. Et il y a quand même dans son texte même, là encore, comme je vous disais, les noms des clans et les noms de lieux tombent juste. Quand il fait quand il traduit des mots, en fait, ça tombe juste aussi. Donc là aussi, c'est quand même très troublant quand on le lit. Par exemple, il dit qu'il va dans une tribu montagneuse, dans le haut de la Tipinje, qui s'appelle à l'époque Paik, un peu comme Tekken Paik. Et il dit que Paik, ça veut dire un endroit rocheux ou caillouteux. Donc je suis allé regarder dans le dictionnaire de Pinje, et effectivement, Paik, ça veut dire pierre. Quand il est à Kone, il dit qu'il parle le Djouvulo, il écrit ça, Djouvulo, G-U-V-U-L-O. Quand on regarde dans le dictionnaire Haike, de la langue du bord de mer, il y a l'expression Djouvulo, qui veut dire la vraie langue, la langue de l'endroit. Quand il est à Kone toujours, il dit qu'ils ont posé un tabou, et il dit dans leur langue, ça se dit Niumbu. J'ai regardé dans le dictionnaire, effectivement c'est Niumbu. Et puis, il évoque aussi la répartition géographique des langues. Il dit que les gens de Gomen, Pimbois et Bondé parlent la même langue, que les gens de Kumak et Nenema, c'est-à-dire les îlots de Poum, quoi, parlent une autre langue, et puis que les gens de Belep, Arama et Balade parlent une troisième langue. Il écrit ça. Quand, en fait, ça correspond très précisément à la répartition du Yuanga
du Nelemoi et du Nyalayou. Donc c'est ce genre d'observation qui vous laisse un peu pantois en se disant bah, effectivement le mec ne délirait pas complètement. Et puis le dernier point qu'il remarque, ce sont les épidémies. Il raconte qu'il y a des grandes épidémies qui se passent lors de son séjour à l'intérieur des terres dans la zone de Colnet et dans la zone de Wayaguet, pardon. Et qu'il y a même le chef là qui lui dit « Mais pourquoi vous les Blancs, vous avez amené ces maladies ?» Et il dit « Cette croyance est partagée par tout le monde parce qu'ils disent tous qu'il n'y avait pas ces maladies avant et que ce sont les bateaux qui les ont amenés. » Et effectivement, là, ça renvoie à ce qu'ont décrit les missionnaires et surtout à ce que les travaux des archéologues nous disent sur l'immense dépopulation qui a touché le Pacifique et notamment la Calédonie, dont on n'a pas la mesure, mais on est sûr que c'est un élément qui a profondément modifié le contexte des sociétés locales de Nouvelle-Calédonie. Alors voilà, en un mot, ce texte-là, très dense, hein, il y a je ne sais plus combien de centaines de pages, où il évoque tout ça. Je vais passer très rapidement sur son deuxième séjour quand il revient, pour une raison très simple, c'est que je vous l'ai dit, je n'ai pas eu accès à ce document, puisque William Emilsen le garde par devers lui. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que comme il arrive au moment où il y a les Français, en fait, on a des archives pour comparer ce texte-là, si on pouvait le comparer. C'est-à-dire qu'il y a les missionnaires qui sont installés désormais, qui sont revenus, à Balat, Puebo, Ouagap et Touo, et puis il y a les militaires qui sont là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est évoqué dans ses sources militaires. Quand le gouverneur se trouve à Yengen en juin 1855, le tout premier gouverneur, le gouverneur Dubouzé, il dit qu'à Yengen, il rencontre trois beachcombers, dont l'un a vécu, j'ai plus la citation exacte, l'un a vécu nu, a fait le tour de, a vécu dans toutes les tribus, dans un état complet de nudité pendant 15 ans. Moi, je suis sûr que c'est lui, en fait. À mon avis, c'est lui. D'autant qu'il écrit, lui, dans son texte, qui a rencontré le gouverneur, d'une part, donc ça correspond, et que deuxièmement, il reste sur la côte ouest, mais que comme désormais il y a les missionnaires sur la côte est, en fait, les guerres et tout ce qui vit sur la côte ouest, qui est complètement en dehors des radars français, finalement, malgré tout, c'est rapporté aux missionnaires qui en parlent aux militaires, et que peu à peu, sa réputation enfle. Sa réputation enfle, et que du coup, il écrit « Les gens commencent à croire que je ne suis jamais parti de ce pays. » Ce qui veut dire que je suis là depuis 15 ans. Donc c'est pour ça que quand Dubouzé écrit ça, à mon avis, il parle de lui. Il y a d'autres éléments, mais je passe vite. Il y a un point important, c'est qu'il y a le père Lambert, qui était un des missionnaires, le premier à fonder la mission de Belep, en janvier 1856. Eh bien, en avril 1858, il dit que voilà qu'arrive un certain Jack le Calédonien, très connu, et que finalement, il arrive, mais c'est quelqu'un de très agité, de très bagarreur. Il est avec un autre beachcomber, finalement, ça se passe mal. Il veut travailler, il veut que les gens ramassent de la bêche de mer, ils veulent pas, et finalement, ça se passe très mal. Donc c'est une autre mention de ce type qui est assez intéressante. Ce qu'on saisit, mais là, je vais pas en parler parce que j'ai pas le temps, ce qu'on saisit, c'est que peu à peu, au fur et à mesure que l'ordre colonial français s'installe, il est de plus en plus mal vu par les autorités. Pourquoi ? Pour deux raisons essentiellement. Parce que Cannibal Jack, c'est quelqu'un qui fait tout le temps la guerre avec les Kanaks. C'est-à-dire que les Kanaks font des guerres, c'est un peuple guerrier, et que lui, là où il est, il va faire la guerre sans problème. Or, pour les Français, l'ordre colonial qui s'est instauré, ça suppose que désormais, il y a des violences légales dans le cadre des campagnes militaires françaises de répression, et le reste de la violence, elle est tendanciellement illégale. Donc on n'a pas le droit de faire la guerre en Calédonie. Concrètement, dans ces années 1850, comme les Français sont à peine implantés un tout petit peu à Nouméa et un tout petit peu à Balad, les Français ne se mêlent pas des guerres entre Kanaks, sauf si ça concerne des alliés proches ou alors des convertis qui sont proches des missionnaires. Mais si ce n'est pas le cas, si c'est entre deux tribus païennes dans le nord-ouest ou je ne sais où ils ne connaissent pas du tout, les Français n'ont pas l'ambition de pacifier, entre mille guillemets, les mœurs kanaks.
En revanche, ils ont l'ambition et le devoir, et c'est écrit noir sur blanc dans les archives françaises, d'empêcher que les Blancs fassent partie de ces guerres. Et donc, Cannibal Jack va, quand on entend dire qu'il participe aux guerres, en fait, c'est quelque chose d'assez intolérable. Et c'est un indice intéressant de l'ambiguïté de son statut. Parce qu'en fait, quand les gens l'appellent Jack le Calédonien, ça veut dire Jack le Kanak, à cette époque-là. Et ça sous-entend qu'il est extrêmement proche des Kanaks. Et en même temps, il reste blanc. Et donc, en tant que blanc, il doit montrer patte blanche, c'est le cas de le dire. Donc, ne pas complètement s'investir dans les guerres Kanaks. Donc ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, plus largement, c'est qu'au fil de la décennie des années 1850, plus on se rapproche de la fin de la décennie, et plus les autorités françaises vont faire preuve d'une suspicion générale pour les Anglais, tous les Anglais qui sont dans la colonie, tous ces aventuriers, tous ces petits caboteurs, etc., en considérant que c'est pas des Français, donc il y a une suspicion de déloyauté nationale. En plus, c'est des protestants, alors que les maristes sont très fortement appuyés par l'administration. Et ça, ça va monter en tension, en particulier sur un point, c'est Yengen. Yengen, qui est un endroit qui est très fréquenté depuis bientôt 20 ans par les Anglais. Et finalement, je vous passe les détails, mais finalement, il va y avoir une campagne militaire contre les Anglais, enfin contre les gens de Yengen et contre les Anglais, qui est faite en 1859. Et ça, c'est intéressant, parce que ce qui se passe à ce moment-là, c'est que lors de l'attaque, donc il y a des combats sanglants qui se déroulent en septembre 1859 à Yengen, et il y a trois Anglais qui sont prisonniers et qui vont être exécutés pour collaboration avec l'ennemi. Et outre ces trois Anglais, donc il n'y a pas Cannibal Jack dans le tas, mais outre ces trois Anglais, les autorités vont dire on a cru voir d'autres Blancs avec eux. Et le gouverneur va écrire « On a un Européen nu comme les Calédoniens fut également vu. On crut reconnaître Jack le Calédonien, connu pour avoir adopté le costume du pays. » Conclusion, quelques jours après, il y a une affiche qui va être mise, placardée à Nouméa, qui va dire qu'il y a 5 Anglais qui sont expulsés de la colonie et que si on les retrouve, ils sont condamnés à mort. Et parmi ces 5 Anglais, il y aura Jack le Calédonien. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, on sait par le texte de Cannibal Jack et même par d'autres témoins que lui, il était déjà parti depuis un an, en fait. Donc il n'était pas là. En septembre 59, il était en train d'écrire son livre en Micronésie, comme je vous l'ai raconté. Mais donc à partir de là, ça va rajouter à sa réputation sulfureuse. Il va être condamné à mort par contumace et il n'apprendra ça que plus tard, en fait, qu'en Nouvelle-Zélande, 2 ans plus tard. Bon, excusez-moi, je suis obligé d'aller très vite. Je voudrais finir en parlant de son troisième séjour, parce que là, ça évoque plus de liens avec les familles Kanak d'aujourd'hui. Il y a 2 étapes importantes. C'est à la fin, au milieu des années 80. Il se trouve alors à Fidji depuis une vingtaine d'années. Il a quand même 65 ans, il a survécu à 1000 dangers dans sa vie. Mais on apprend bien plus tard, en fait, excusez-moi, il faut que je fasse une rupture chronologique. Je reviens au tout début, vous aviez le missionnaire Hatfield qui a récupéré ce manuscrit que lui a donné le vieillard. Quand il a préparé le livre qui va devenir Cannibal Jack dans les années 20, il a écrit à son vieux copain Reed, John Reed, l'ancêtre des Reed d'aujourd'hui, des rites Kanak de l'Ifou. C'est ce blanc qui est à gauche. Et c'est son copain, c'est la photo, elle vient des archives de la famille Hatfield. Et il lui dit, on a retrouvé ce document de Cannibal Jack, on va en faire un livre, est-ce que tu pourrais me donner un peu plus d'éléments sur lui? Qu'est-ce que tu connais sur lui? Et Reed va lui écrire, moi je n'ai vu Cannibal Jack qu'une seule fois, c'est quand il est arrivé de Fidji avec Strater. Avec Joseph Nelson Strater, qui était un charpentier de marine, qui était installé à Fidji. Et Reed raconte que Strater et Cannibal Jack ont construit un bateau et qu'ensuite ils sont partis avec le bateau.
et qu'ils ont débarqué à Luangoni. Que dans le bateau, il y avait Cannibal Jack, Streeter et trois enfants Streeter. Qui sont arrivés à Luangoni, qui ont été accueillis par Forrest. Donc c'est tous ces Anglais qui ont fait souche en Calédonie, dont on connaît encore les patronymes aux îles. Mais que Cannibal Jack, lui, il est reparti aussi sec. Alors, c'est une histoire qui est restée dans la mémoire des descendants Streeter. Et donc, ils sont peut-être là, je ne les ai pas vus tout à l'heure, mais j'ai travaillé avec plusieurs d'entre eux. Et il y a une histoire tout à fait fascinante, ce sont les souvenirs. Donc, ce vieux Joseph, Nelson Streeter, est parti de Fidji avec trois enfants, deux garçons et une fille. C'est les deux garçons qui ont fondé les lignées Streeter jusqu'à aujourd'hui. La fille, elle, Maria, c'est-à-dire Mariah, qui est là en photo, elle a épousé, elle est notamment entrée dans la famille Saoumé. Et le vieux qui est parti maintenant, le vieux Paolo Saoumé, que j'ai rencontré, m'a raconté qu'il avait été élevé par sa grand-mère, Maria, qui est ici. Et qu'elle lui a raconté la migration de Fidji. Qu'elle était une petite fille, qu'elle avait 7 ans. Et donc c'est extrêmement touchant quand on fait même... intéressant mais touchant, c'est-à-dire de faire tout ce travail sur les archives, sur ce personnage un peu mythique, et puis on touche du doigt quelqu'un qui, dans son histoire familiale, est connecté à cette affaire. La vieille raconte au vieux, à son petit-fils, qu'ils ont fait le voyage à bord du bateau, qu'elle était avec ses deux frères, son père et un Anglais. Un Anglais. Donc c'était lui, quoi. Et un détail, moi, qui m'a complètement... qui m'a vraiment beaucoup impressionné, la vieille Maria raconte à son petit-fils que quand il y avait des tempêtes à bord du bateau, elle, son frère... ses frères et son père allaient dans le fond du bateau et que l'Anglais, lui, il disait « Vous allez m'encorder autour du gouvernail. Vous allez m'encorder autour du gouvernail. Comme ça, je reste à la barre. » Et bien, dans le livre Cannibal Jack de 1928, Cannibal Jack décrit une scène de naufrage ailleurs, à Tonga. Et il explique, alors quand tu vois ça, on se dit « C'est complètement romanesque, etc. » Il explique qu'en fait, il était dans une pirogue tongienne et que, donc il y a eu la tempête, etc., et qu'il s'est retrouvé enlacé malgré lui au gouvernail, et que ça, ça l'a maintenu en dehors de l'eau. Donc moi, quand j'ai dit ça, j'ai dit, bon, d'accord, c'est un peu le côté un peu romanesque, mais quand il y a quelqu'un qui n'a pas lu ce texte-là, et qui évoque un paramètre comme ça, on ne peut qu'être troublé. Ça, c'était donc, je vous l'ai dit, mais il n'est pas resté à Lifou, il est allé à Marais. Et à Marais, donc, on a retrouvé sa trace, je vous l'ai dit, d'après le témoignage de Hatfield, chez le vieux Jerry Imbert. Jerry Imbert, qui était un vieux baleinier, qui était installé à Marais, qui avait pris une épouse de Raux, et qui a eu une descendance, donc métissée, de Jean Imbert. Il y avait un autre personnage à ce moment-là, un autre ancien baleinier qui vivait à Raux, qui s'appelait John Robertson. Et Robertson, alors, dans le texte de Cannibal Jack, dans ses anciens écrits, dans Jack the Cannibal Killer, quand il passe à Marais en 1859, il décrit déjà la présence de ces deux-là. Il dit, il y a mon ancien compagnon de bateau, John Robinson, donc Robinson, Robertson, c'est le même, et puis il y a ce type qui s'appelle Jerry. Donc là aussi, c'est très troublant parce que finalement, on retrouve la trace de ces gens-là. Donc, Cannibal Jack va finir sa vie avec eux. Je vous ai mis ces photos-là parce que donc, c'est à la fois des très belles photos et que la personne au milieu de la photo, les descendants, il y a des familles aujourd'hui de Marais, famille Tsaba, Wayaridri, Enoka, notamment,
qui se considèrent descendants de John Robertson et qui ont cette photo ovale au milieu. Par ailleurs, dans une autre collection de photos privées, on a la photo de cet homme à gauche, le barbu, le fameux Beachcomber de la fin du 19e. Et quand on compare les deux photos, en fait, quand on regarde de près, il est à peu près sûr qu'il s'agit du même homme. Jeune et puis très vieux. Donc cet homme-là, c'est John Robertson ou Dirty Jerry Amber. Parce qu'il y a eu des histoires complexes liées notamment au fait que le premier enfant de Dirty Jerry Amber, il lui a donné le nom de son copain. Donc ce premier enfant s'appelle John Robertson Amber. C'est, on le voit, donc ça se sait au sein des familles, mais ça se sait aussi par cet acte de naissance dont je vous ai fait la copie, où en fait il cite le nom des trois enfants Amber, et le premier c'est John Robertson Amber. Et ce John Robertson Amber, plus tard, il va laisser tomber le Amber, et donc il va se faire connaître comme simplement John Robertson. Conclusion, il y a deux John Robertson. Il y a le baleinier anglais, et puis il y a le fils Amber. Et ces histoires-là se mêlent, en fait, se mêlent beaucoup. Si tout ça, je vous disais, vous allez me dire quel est le lien avec Hannibal Jack, c'est que bien plus tard, dans les années 60, il y a un ancien curé qui est devenu anthropologue, le père Dubois, que vous connaissez sans doute, qui a fait des enquêtes généalogiques à Marais, dans ces familles-là. Et ses interlocuteurs de l'époque étaient de la famille Humbert, et ils lui ont dit que, d'une part, il y avait Hannibal Jack qui vivait avec eux, qu'il était avec une vieille de Marais qui s'appelait Lizzie, qui était originaire de Tadine, qui avait une fille qui s'appelait Annie, qui est devenue la fille adoptive de Hannibal Jack. Cette Annie, ensuite, elle s'est mariée avec un fils Humbert, et ils ont une longue descendance qui a peuplé une bonne partie de Marais. Alors, pour les gens qui connaissent Marais, tout ça, Marais des Foutigas, ils voient de quoi je parle. Pour les autres, je suis désolé, c'est très compliqué. Et je ne peux pas résumer comme ça, il faudrait qu'il passe une éternité. Mais en tout cas, il est situé dans cette généalogie-là. Et puis, les interlocuteurs du père Dubois dans les années 60 lui ont aussi dit que le premier fils Humbert, qui s'appelle John Robertson Humbert, qui a perdu le Robertson, puis qui a encore changé de nom plus tard parce qu'on a retrouvé avec le nom Roquat, que ce type-là, que ce vieux-là, avait été adopté aussi par Hannibal Jack. Donc ça, c'est ce que des gens ont dit au père Dubois dans les années 60. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai tiqué. Et depuis, j'essaye désespérément de comprendre cette histoire. Donc je suis revenu notamment pour ça. Et je suis en train de faire des enquêtes pour essayer de mieux comprendre ça. Je n'ai pas la prétention d'y arriver. Et puis, en tout cas, et c'est là-dessus que je terminerai. Je suis désolé, ça a pris énormément de temps. Il a fini dans cette zone. Il a fini à Marais, à Rau ou à Eotse, voilà. Qui était un petit village à côté de Rau, qui a été déserté parce que les gens se sont approchés de Rau pour l'église, mais où il y a encore des pierres tombales. Et il y a notamment, pour les gens du coin, ils la connaissent, il y a cette pierre tombale que j'ai mis à gauche, d'une vieille femme qui était mariée à John Robertson. Et il a probablement fini sa vie dans cet endroit, même s'il n'y a pas de traces dans les registres. Une fois de plus, même à la fin, il a filé à l'anglaise, c'est le cas de le dire. Donc, il est passé entre les mailles du filet administratif. On ne sait pas comment il a fini, on ne sait pas à quelle date, mais il y a des témoins qui disent qu'il est mort en 1891, sans doute à Eotse. Et parmi ces pierres tombales, là, c'est la femme Robertson. Juste à côté, il y a ce que vous voyez, la photo en bas à gauche, il y a une pierre tombale sans nom. On dit dans les familles que dans cette pierre tombale, c'est le John Robertson lui-même. Mais il y a sans doute d'autres pierres tombales dans la région, dans la zone. Et probablement qu'il est enterré par là, même si je n'ai pas retrouvé. Je vais conclure sur cette photo de la baie de Eotse, parce que c'est là que tout a commencé et tout a fini. J'avais beaucoup d'autres choses à dire, mais je ne peux pas. Je voudrais en conclusion vous dire que vous comprenez que c'est une histoire fascinante, dont j'ai moi-même du mal à comprendre pourquoi elle me fascine autant. Mais ce qui me rassure, c'est que je ne suis pas le premier. Ça fait un siècle
que ce personnage fascine. Il fascine pour tout ce qu'il a vécu. Il fascine pour l'ambition démesurée d'une vie comme la sienne. Parce que l'échelle de son ambition, de son projet, c'était le Pacifique dans son immensité. Et donc d'ailleurs, quand on suit Cannibal Jack, on n'est pas que à Eotse, en fait. On couvre des milliers de kilomètres. C'est ça qui est tout à fait fascinant. Et puis, pourquoi il écrivait ? Pourquoi il écrivait comme ça ? Pourquoi il a voulu laisser une trace derrière lui ? Est-ce qu'il se rendait compte que sa vie était extraordinaire ? Est-ce qu'il voulait nous montrer de quoi étaient faits les mondes océaniens ? Ou bien est-ce qu'il voulait être romancier, un truc d'aventure ? Parce qu'en fait, au fond de son texte, il y a à la fois la volonté de documenter les mondes océaniens, mais aussi la volonté de faire des romans d'aventure, des choses incroyables. Et je pense même qu'il a, d'une certaine façon, fait de sa vie un roman d'aventure. Et c'est aussi pour ça qu'il a endossé un nom comme Cannibal Jack, et que jusqu'à la fin de sa vie, il était toujours en mouvement, même à 65 ans, en vieux pépé, à partir comme un bandit, etc. etc. Et puis, dans le fond, c'était aussi une autre façon d'être un Européen dans le Pacifique. Je pense que, moi, c'est une des choses qui me touche chez lui. C'est-à-dire que, dans ces situations, c'était contrairement au contexte colonial, au rapport colonial, le rapport de domination, il était inversé. C'était pas lui qui arrivait comme triomphant. C'était toujours à lui de s'adapter à ce monde-là, à ces mondes-là, à comprendre comment ça fonctionnait, à comprendre les langues, à comprendre la coutume, à comprendre les mœurs. Et c'était à ces conditions-là qu'il pouvait survivre et faire son trou. Ce que je sais, et c'est pour finir, c'est que vraiment ces textes sont incroyables, et que donc j'en reviens à ce que je disais au départ, je pense que c'est pas normal qu'il ne puisse pas être accessible, et que j'espère que ça deviendra à l'avenir. Voilà, je vous remercie, je vais m'arrêter là. Merci Benoît, on est un petit peu saisi par cette avalanche de détails, la superficie qu'a traversé Cannibal Jack, donc je ne sais pas si les gens ont encore de l'énergie pour en savoir davantage, les parties que tu n'aurais pas traitées, mais en tout cas les micros sont à votre disposition de part et d'autre de la salle, donc n'hésitez pas. Manifestement, ce garçon, il savait très bien lire et écrire, alors qu'il a quitté, vous avez nous dit, à 16 ans, Bretagne. Donc, quelle était sa base scolaire, culturelle, d'autant qu'il ne l'a mise en œuvre que 10 ans, 15 ans, après le début de ses aventures. Donc comment, d'où lui venait cette facilité littéraire que vous décrivez comme aussi riche, dense et précise ? Alors, il était d'une famille, je ne sais plus si je l'ai dit, mais de commerçants agricoles qui étaient en ascension sociale sur plusieurs générations. C'est-à-dire que son grand-père était devenu propriétaire par une alliance matrimoniale avec un homme propriétaire qui n'avait pas de garçon. Son père était lui-même devenu propriétaire et commerçant de bétail, donc plutôt de la classe moyenne haute rurale anglaise. Et lui était le seul héritier, parce qu'en fait, c'était le seul garçon d'une fratrie de 6 où il y avait 5 filles et un garçon. Donc il avait le nom du père et très clairement, dans les logiques de transmission, c'était à lui de continuer cette lignée. Donc, il y avait un fort investissement sur lui, et ça s'est manifesté notamment par le fait qu'il a été mis dès l'âge de 8-9 ans dans ce qu'on appelle une Latin Grammar School, donc qui étaient les écoles d'élite relativement prestigieuses qui étaient fondées depuis plusieurs siècles en Angleterre. Et il a vécu une dizaine d'années sur les bancs de l'école, ou moins, enfin 8-10 ans. Sur les bancs de l'école, et c'est ça qui lui a donné ce capital culturel dont il s'est servi bien plus tard.
Il raconte dans ses textes, et puis les archives sur cette école montrent aussi qu'à la fois c'était très prestigieux et donc il apprenait à lire, etc., mais c'était aussi un univers extrêmement répressif, extrêmement dur. Et quand il évoque la période de l'école, c'était pas du tout une période rêvée. Mais par contre, il a acquis ça. Et puis il y a un autre élément très intéressant, alors évidemment je ne peux pas rentrer dans tous les détails, mais quand le livre Cannibal Jack est sorti en 1928, 4 ans plus tard, les Hatfield ont reçu une lettre d'une dame qui disait « Je viens de lire votre livre, je l'ai tout de suite reconnu, je suis la nièce de Cannibal Jack. » Ah bon, d'accord. Et du coup, cette dame, dans cette lettre incroyable, donne des éléments de la mémoire familiale de Cannibal Jack. Elle dit, bah voilà, en fait, ma mère, c'était telle sœur de Cannibal Jack, ça, c'était sa tante, etc. Et ses sœurs m'ont toujours raconté comment leur frère était là. Et il s'entendait pas avec son père, dit-elle, qui avait un caractère de feu, un caractère très difficile. Et le père, dit la nièce, le père désapprouvait son comportement parce qu'il passait son temps à lire. Il passait son temps à lire des livres d'aventure et le père considérait que c'était un truc de paresseux. Et donc, vraiment, quand on lit ce texte, on dit c'est quand même incroyable quand on voit ce qui s'est passé à côté. Et donc la nièce dit, et donc le fils était en conflit avec le père et disait si ça continue, je vais me casser. Enfin, il ne disait pas ça comme ça, mais c'était ça l'idée, je vais partir. Et ses sœurs essayaient de le calmer, mais un jour, il a disparu, et depuis, plus aucune nouvelle d'elle, et voilà. Donc après, moi, à partir de cet indice, j'ai regardé de ce qui, à l'époque, avait pu tomber entre ses mains. Or, à l'époque, les années 1820-1830, c'est la grande époque de Walter Scott, de Fenimore Cooper, des romans maritimes ou d'aventure. Et puis Robinson Crusoe aussi, qui était une figure littéraire. Donc il y avait sans doute un univers littéraire d'aventure et d'ailleurs qui l'a nourri. Parce que, à contrario, s'il avait simplement voulu fuir sa famille, fuir son père, fuir l'école, il n'était pas obligé d'aller dans le Pacifique. Parce que Londres, à l'époque, c'était la plus grande ville du monde. Il y avait 2 millions d'habitants et c'était l'endroit rêvé pour disparaître. Changer de nom et devenir un autre. Donc s'il est monté à bord d'un bateau pour partir au loin, c'est parce qu'il voulait plus que ça. Et c'est pour ça qu'à mon avis, mais on ne peut pas avoir, on peut pas en savoir plus, mais il avait déjà des idées, en tout cas, il était déjà un grand lecteur. Et dans le récit de ses périples, en fait, ce qui est assez marrant, c'est qu'il peut traverser des épreuves pas possibles, mais quand il tombe sur un missionnaire, par exemple, il demande tout de suite s'ils ont des livres. Ou quand il est chez un colon isolé en Nouvelle-Zélande, il dit... Donc il raconte ça des années plus tard, il dit « Je me rappelle, à ce moment-là, j'ai lu tel livre, etc. » Donc il avait déjà une espèce d'appétence pour l'écrit, sans doute, hein, c'est des hypothèses. Mais par contre, comme il l'écrit plus tard dans ses textes, il dit « J'aurais jamais pensé moi-même écrire si le capitaine Erskine, en 1850, ne m'avait pas mis cette idée dans la tête. » Donc voilà, il y a aussi cette trajectoire littéraire particulière qui donne sens à sa vie, parce qu'à mon avis, une de mes hypothèses, c'est qu'à partir du moment, parce qu'il fallait un temps fou pour écrire ce qu'il a fait, et il fallait une volonté de faire, parce qu'il vivait quand même dans des circonstances pas possibles, donc s'astreindre à passer son temps à écrire, ça veut dire que c'était quelque chose qui le tenait debout, quoi. Et même John Reed de Lifou dit à Hatfield dans les années 20, que Cannibal Jack, il dit qu'il avait mania for scribbling, donc il avait la manie de tout le temps écrire. Et c'est pour ça d'ailleurs que Hatfield lui a demandé mais que sont devenus ses papiers après sa mort. Et Reed lui a répondu, les papiers de Cannibal Jack après sa mort sont passés à Jerry Humbert, puis sont passés à son fils John Robertson Humbert, qui se fait appeler John Robertson, écrit Reed, mais que tout ça a disparu parce que c'est parti en fumée. Voilà. Après, je ne sais pas si c'est que John Robertson Humbert a mis le feu ou si c'est sa maison qui a été brûlée à cause de conflits locaux. Voilà, parce que dans le texte de Reed, c'est assez ambigu la formulation. Donc il y a toute une trajectoire comme ça. Et puis ça me fait penser à autre chose aussi, c'est qu'en fait, vous voyez, très souvent, il a écrit sous de faux noms.
Et il a eu je ne sais combien de pseudonymes au fil de sa vie, ce qui veut dire qu'il y a peut-être bien d'autres manuscrits qui existent encore, en fait. Et que peut-être qu'un jour, quelqu'un tombera dessus et se rendra compte que ça se reconnecte à cette histoire. Donc on a une vision de son œuvre qui n'est peut-être pas complète. Bonsoir. J'aurais aimé savoir si dans ce qu'il a écrit, on trouve des choses qui sont une contradiction des connaissances officielles. Puisque vous avez parlé des autres sources qu'on a par les militaires, par exemple, ou les curés. Est-ce que le peu de récits auxquels on a accès de sa part apporte des informations contradictoires avec les thèses officielles ou les connaissances du moment ? Alors le problème, c'est que le texte auquel j'ai accès, il n'y a pas d'autres textes pour les comparer. Et puis le deuxième séjour, on n'a pas accès au texte. Donc on ne le sait pas véritablement. Donc je ne sais pas si c'est contradictoire, mais par contre, ce qui est précieux, c'est qu'en fait, il donne un point de vue kanak. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que les missionnaires ont un point de vue missionnaire, donc ils réfléchissent à l'aune de leur grille, et c'est normal. Mais disons que lui, il n'a pas cette grille-là. Alors il a la sienne malgré tout, hein, c'est pas un kanak qui écrit, ça c'est sûr, c'est lui, c'est ce blanc, mais son écriture et son regard témoignent d'une autre échelle et d'un autre prisme que celui des sources habituelles. Par exemple, c'est pas tant sur les militaires que c'est frappant que vis-à-vis des missionnaires en fait, parce que quand on lit les sources missionnaires, en gros il y a les gentils et les méchants, et les gentils ils sont convertis et les méchants ils sont pas convertis. Lui il a tendance à avoir un discours beaucoup plus critique et fin parce que c'est au ras du sol. Le problème encore une fois c'est que pour vraiment creuser cette question là, ça c'est ce que disent les spécialistes de Fidji par exemple, mais sur la Calédonie il faudra avoir accès véritablement à ces matériaux et puis serrer de très près, ce qui n'a pas été possible jusqu'à présent. Pourquoi il évite-t-il les photos ? Pourquoi il évite les photos ? Oui. Aucune idée. Et il ne l'a jamais expliqué, mais c'est une très bonne question. Pourquoi il évite les photos ? J'en sais rien. Mais je sais qu'il les évite. Alors, il y a notamment un très très bon spécialiste de Fidji, qui connaît Fidji sur le bout des doigts, et qui connaît notamment toutes les collections photographiques de Fidji. Enfin, c'est vraiment quelqu'un de très fort. Il s'appelle Fergus Cluny. Et il a énormément... J'en ai pas parlé, mais parce qu'on ne peut pas tout faire, mais il est déjà l'heure qu'il est, je suis désolé. Mais Fergus Cluny, quand il a découvert les textes de Cannibal Jack sur Fidji, il s'est fiévreusement plongé dedans, sur les manuscrits, et il a essayé de les dater très très précisément. Donc il a fait un gros boulot, mais tellement gros boulot qu'il n'a jamais publié son article. Ça, c'était à la fin des années 70. Et j'ai pris contact avec lui, il m'a donné tous ses documents, ce qui est formidable, et il m'a dit, vas-y, reprends le flambeau, et fais pour le mieux. Et d'ailleurs, après mon voyage en Calédonie, je vais le voir à Sydney. Et donc lui, il m'a dit, mais par contre, Benoît, ce que je ne peux pas te fournir, c'est une photo de Cannibal Jack. On a des photos de ses amis, du moins les gens avec qui il a fait du business, les Bynes, Work, Hyde, Buckwell, enfin voilà, Bucknell. On a des photos parce qu'en fait, il y avait eu dans les années 70 une série de portraits de tous les vieux pionniers de Fidji qui ont été faits. Ça a été publié après dans un bouquin qui s'appelle Cyclopedia of Fidji en 1907. C'est un espèce de kaléidoscope de, je crois, il y a 700 portraits de figures de vieux colons. Des gens qui étaient là avant la prise de possession britannique parce qu'ils étaient très nombreux, etc. Et donc, il n'est pas dans ce kaléidoscope, ce qui est extrêmement étrange. Et donc, il devait fuir. Alors, peut-être que parce qu'il était recherché par les autorités françaises de Calédonie, mais bon, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que de toute façon, quand tu fais de l'histoire, on se pose des questions, on a des points d'interrogation, et puis un jour, on a une archive ou une photo ou un témoignage qui répond à cette question. Donc peut-être qu'un jour, on trouvera une photo de lui, ou peut-être... Parce que par contre, il se décrivait souvent, donc on sait qu'il était petit et qu'il avait des yeux bleus perçants. Reed, il l'appelle les yeux d'acier.
Mais bon, à part ça, voilà, j'ai jamais vu une photo. Le vieux Beachcomber, là, c'était pas lui. Donc je ne sais pas, mais c'est une bonne question. Bonsoir, Monsieur Trépied. Merci beaucoup pour votre travail. J'avais une question, s'il vous plaît, avant de partir, parce que j'ai mon petit qui est fatigué. Je suis descendant des Anglais, mais de Poum, et qui sont passés par marée dans les mêmes régions au tout début. Donc je descends du capitaine Vincent, de Brown, de Williams et de Winchester, puisque tous les descendants se sont mariés entre eux. Je voulais savoir si Cannibal Jack était passé dans la région d'Enema, vous en avez parlé tout à l'heure, donc j'ai eu ma réponse. Et combien de temps il était resté là-bas, s'il avait eu des histoires ou des anecdotes, parce que nous aussi, j'avais découvert dans mes recherches pour mes ancêtres cette histoire de Cannibal Jack qui m'a fasciné, c'est pour ça que je suis là ce soir. Parce que, ben, comme vous dites, il y a très peu d'écrits. Et finalement, en fait, je voulais savoir si lui avait fait des écrits de ces autres Anglais qui avaient eu des femmes de marée, qui se sont installées sur les îles du Nord et qui ont fondé, ben, finalement, un petit peu la colonie, la deuxième colonie, on va dire, anglaise, celle qui était aux îles Loyauté. Il y avait d'autres Beachcombers, mais eux étaient installés là-bas. Oui, tout à fait. Donc, ma question, est-ce que vous avez entendu parler de ce capitaine Vincent? Est-ce que Cannibal Jack décrit ces gens ou est-ce qu'il a écrit sur les Anglais du Nord, en fait? Alors, là encore, hein, le problème, c'est que la deuxième partie du... Son premier passage en Calédonie, il croise personne à ce moment-là. Et c'est parce que c'est très très tôt, 47-49. Son deuxième séjour, on n'a pas accès aux documents. Alors moi, quand j'ai feuilleté, j'ai quand même vu qu'il citait pas mal d'autres beachcombers dans le coin. Mais là-haut, je ne sais pas. Mais par contre, ces mecs-là circulaient beaucoup aussi. Donc c'est surtout qu'il les a vus à Koné. Parce que moi, j'ai regardé en particulier les trucs à Koné. Et il raconte que Winchester passe à Koné, par exemple. Mais qu'il y reste pas, hein, mais qu'il y passe. Pareil avec Stewart. Il y a sûrement des choses dans ce manuscrit. Après, lui, comme il racontait sa vie, il faisait pas des encarts, des portraits comme ça, standards, en disant, bah, cette île, il y a tel type qui fait ça, etc. C'est plutôt quand il était en relation avec eux. Mais comme dans son deuxième séjour, il était... En gros, il y avait plus de blancs que lors de son premier séjour. Il faisait pas mal de biches de mer sur Koné. Il allait la vendre à Yengen, il les vendait à Canala par exemple, ce que je vous ai dit tout à l'heure quand il était à Canala et qu'il apprend que son livre est sorti, il cite le nom du magasinier, du responsable du comptoir centralier de Padone à Canala, c'est Tyndall quoi, qui est un nom qui circule encore aujourd'hui. Donc pour répondre à votre question, il faudrait regarder de près ce deuxième manuscrit, il n'est pas là, et c'est bien dommage. C'est sûr qu'il les a croisés, mais j'en sais pas plus. Et le capitaine Vincent, il n'a pas été cité par Turpin de Morel? Si, hein, c'est là où je l'ai vu en fait. Voilà, c'est bien le même genre de... C'est bien le même genre de gars, et c'est vrai qu'on aimerait en savoir beaucoup plus sur cette histoire des baleiniers anglais du nord, des îles, leur liaison avec les femmes kanak, notamment de marée. Et bah, faut continuer le travail. Monsieur, vous avez parlé beaucoup du séjour chez les Kanaks. Est-ce qu'il y a des témoignages des Kanaks sur Jacques Cannibal? Il y en a pas directement parce que c'est très éloigné, donc c'est pas évoqué, sauf dans les généalogies de marée dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est là où il apparaît, là où il a fini sa vie, et en lien étroit avec les familles Robertson et Humbert. Là, il apparaît. En tout cas, il était évoqué par les Kanaks de marée des années 60 que le père Dubois a rencontré. Moi qui refais ces enquêtes 60 ans après et qui travaille avec les gens de marée, en tout cas ceux que j'ai rencontrés, de Rowe, de Tiga, etc., ça dit trop rien. Voilà.
Donc peut-être que cette mémoire s'est perdue. Et Hakone, par contre, il apparaît pas dans les généalogies, dans les récits comme ça. Mais c'est très loin quand même. Donc et puis le vrai problème, c'est que c'est en fait il aurait été mémorisé s'il avait fait souche et si il avait en gros élevé ses enfants. Si, parce qu'il dit qu'il en a fait plein, et ça, j'en doute pas. À un moment, il raconte qu'il passe à Yangen, et il dit, tiens, là, j'aimerais bien voir mon fils, ça fait 2 ans qu'il est là. Tu dis, quoi, pardon? C'est qui, c'est quoi? Mais le problème, c'est qu'il l'a jamais transmis, en fait. Comme c'était un espèce d'électron libre, et un vagabond éternel, donc, comment dire, il a semé des graines partout, mais il les a jamais regardées pousser, si je puis dire. Et donc, cette mémoire-là, elle s'est évanouie, en tout cas au sein des familles. Mais ce qui est assez ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des gens qui se posent des questions. Et notamment, il y a actuellement, mais pas seulement en Calédonie, parce que c'est aussi le cas à Fidji, à Samoa, il y a plein de gens qui se posent des questions sur leurs ancêtres. Et d'ailleurs, des fois, qui m'écrivent en disant, bah, moi, je suis un descendant de... Enfin, j'ai bossé avec les Straiters, les descendants... Robertson, descendant Humbert, c'est des questions qui tournent beaucoup aujourd'hui pour comprendre mon interlocuteur, là, juste avant. Donc des gens qui aujourd'hui se posent des questions sur ces ancêtres-là. Et par exemple, j'ai été en contact avec des gens au Samoa qui disaient, ben, je me demande si en fait ce serait pas mon ancêtre Cannibal Jack, parce que j'ai vu que dans son texte il dit qu'il était là, moi c'est le même truc, etc. Donc c'est une vraie préoccupation actuelle. Mais c'est difficile d'en retrouver. Il y a une rupture générationnelle et mémorielle, quoi. Donc les gens aujourd'hui font un travail pour essayer de mieux comprendre. Mais lui-même, à l'époque, il n'a pas transmis son histoire. Mais il n'a pas transmis son histoire à ses descendants ou aux Kanaks ou aux gens avec qui il vivait parce qu'il transmettait à l'écrit, en fait. Et qu'il ne s'adressait pas à sa famille. Il s'adressait à tout le monde. Il voulait que les gens connaissent sa vie et son histoire. Comme la citation que j'ai dit au début, c'est il dit « J'espère que j'ai pas vécu et écrit en vain. » Donc, d'une certaine façon, il avait une ambition plus large. Mais donc, concrètement, pour répondre simplement à votre question, non, les gens ne parlent pas de lui directement dans leurs histoires, à eux. À ma connaissance. Et je n'ai pas la science infuse. Bonsoir messieurs, merci pour cette merci pour cette conférence passionnante sur un sujet passionnant. Je voulais juste revenir sur un petit aspect que vous avez évoqué un petit peu vite. Donc vous invalidez la thèse de Jean Guillard comme quoi c'est pas une thèse, il a juste écrit 4 lignes dans un coin d'un bouquin, comme quoi Cannibal Jack aurait fait partie justement des Anglais qui avaient fait le coup de feu contre les Français avec le grand chef Boirat, ou qui au moins l'aurait fourgué des armes. Il a peut-être fourgué des armes, mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'était pas à Yangen au moment de l'assaut. Et donc, quand le gouverneur a dit « on a cru reconnaître Jack le Calédonien », c'était pas lui. Parce que, en fait, le deuxième volume, là... Donc moi, j'ai regardé les trucs sur Coné, puis j'ai regardé les chapitres, les débuts de chapitres, en fait. 1858, il parle, il fout en 1858. C'est-à-dire juste après que le père Lambert l'ait croisé à Belep. Donc il était passé avant à Yangen beaucoup, et il a peut-être tout à fait du business de munitions avec les gars du coin, ça c'est tout à fait possible. En revanche, au moment de ce qui s'est appelé dans les archives au sein de l'administration coloniale, l'affaire de Yangen, et au moment où il a été condamné à mort, lui il n'était pas là. Il était déjà en train d'écrire à Pompéi, à tel point qu'il y a un document, là encore merci les sites Trove et Paper Past, là, les sites des journaux du 19e siècle, en tapant Cannibal Jack, je suis tombé dans les journaux néo-zélandais, je suis tombé sur des extraits de jugement parce qu'il est passé devant le tribunal parce qu'il était bourré dans la rue. Parce que vous pensez bien qu'il aimait bien teaser. Or, il y avait une loi qui empêchait. Et donc, on retrouve... Et donc, là, il y a sa déposition. Donc, ça vaut de l'or. Vous voyez, je ne peux pas tout raconter, sinon on est là jusqu'à 2h du matin, mais ça vaut de l'or. Et il dit notamment... Donc, sa déposition est prise, il dit deux choses importantes. Il dit, je m'appelle William Diaper, on me connaît dans le Pacifique à travers toutes sortes de noms, comme Caledonia Jack, Fiji Jack,
Mais par contre, jamais personne ne m'a appelé Cannibal Jack. Donc ça veut dire que c'est cette archive-là qui me fait dire que c'est à ce moment-là qu'on a commencé à l'appeler Cannibal Jack, et parce que là, il est en train de dire, c'est quoi cette affaire? C'est pas moi, Cannibal Jack. Mais en fait, c'est les colons de Nouvelle-Zélande qui lui disent ça. Et c'est à partir de là que ce nom va rester. Et il dit autre chose dans sa déposition. Il dit, je suis pas au courant que le gouvernement français a mis ma tête à prix. Après, il dit, mais c'est fort possible parce que en anglais, il dit, j'aime bien jouer des tours aux autorités. Donc il dit, c'est bien possible, mais je ne suis pas au courant que ma tête est mise à prix. Et ça, il le dit en 1861. Donc c'est en Nouvelle-Zélande qu'il apprend ça, qu'il apprend qu'il y a eu l'affaire de Yen Yen et qu'il apprend qu'il a été accusé à tort. Voilà. Merci. Benoît, si je peux me permettre, pour complexifier encore un peu les choses, je me suis laissé dire qu'il y avait un second Cannibal Jack. Tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Oui, bah alors, je peux. Rapidement. Si vous voulez. Non, je dis ça parce qu'il existe un portrait de ce Cannibal Jack et que les gens ne confondent pas. Voilà. En fait, il existe, je vais te dire, il en existe même plus que deux. Il y en avait au moins trois, voire quatre. Mais celui dont tu parles, effectivement, il y avait un pakeha maori, c'est-à-dire un blanc qui vivait avec les maoris en Nouvelle-Zélande. Donc c'était comme un beachcomber. Là-bas, ils appelaient ça pakeha maori, qui était dans le nord, dans le Hokianga, et qui s'appelait Jackie Marmon. Voilà. Et ce type-là, alors c'est très intéressant, parce que tu penses bien que j'ai regardé ça de près. Il n'a été appelé Cannibal Jack que au moment de sa mort dans les nécrologies de la presse. C'est-à-dire que les archives antérieures, quand on parle de lui, on dit jamais Cannibal Jack. Jamais. On dit Jackie. Bon. C'est troublant. Et c'est d'autant plus troublant que l'article que j'ai montré tout à l'heure sur notre Cannibal Jack qui paraît à Fidji en 1880, il est reproduit dans un journal néo-zélandais et que Jackie Marmon y meurt quelques temps plus tard. Donc je ne sais pas comment ce nom circule, mais c'est possible que ce soit de l'un à l'autre que ça se soit passé. Et puis l'autre chose plus intéressante, enfin c'est des mises en abîme infinies en fait, c'est que mais non, j'ai pas le temps d'entrer dans les détails. Mais on sait que quand il était en Nouvelle-Zélande en 1861, Diaper, il était au même endroit. Il était dans la même région que ce Jackie Marmon. Et selon toute vraisemblance, il se connaissait. À cause d'une archive particulière. Voilà. Donc, qui se connaissait, ces deux types-là? Parce qu'en fait, si je peux vous le dire quand même, vous vous rappelez, je vous ai dit, il y a le libraire d'Auckland qui a racheté le deuxième manuscrit en 1861. Et ce libraire d'Auckland, 10 ans plus tard, donc en 1872, il a publié le début de ce manuscrit dans le journal de Sydney. Le début du manuscrit de Cannibal Jack. Là aussi, c'est grâce au site que j'ai retrouvé ça. Et il a décrit la scène. Il a décrit la scène quand Cannibal Jack a débarqué dans son bureau, a déposé les manuscrits en disant « Regardez, il dit « I'm Cannibal Jack and this is the story of my life ». Il fait ça genre « Ok, d'accord ». Et lui, il le décrit, il dit « Oh là là, il avait des yeux pas possibles et tout ». Bon, ok, on y est dedans, c'est tout à fait fascinant. Mais ce qu'il dit, le libraire, quand il raconte cette scène, il dit que quelques temps auparavant, quelques mois plus tôt, il était à bord d'un bateau avec ce bon vieux Jackie, l'autre. Et que Jackie lui a raconté sa vie extraordinaire avec les Maoris, ses festins cannibales et tout ça. Et que lui, le libraire, lui a dit « Oh là là, Jackie, tu devrais écrire l'histoire de ta vie !» Ok. 3 mois plus tard, Diaper débarque et il pose le livre. Et donc dans le dialogue, c'est vraiment écrit comme ça, il dit « Je suis Cannibal Jack et voici l'histoire de ma vie. » Et donc le libraire, il dit « Pardon, oui, de quoi s'agit-il ?» Et il dit, vous n'avez pas dit à Jackie, il y a quelques mois, que vous vouliez l'histoire de sa vie? Lisez donc la mienne. Il écrit ça noir sur blanc. Donc si Diaper
sait que Jackie, enfin que le libraire a dit ça à Jackie, c'est que c'est Jackie qui lui a dit, tu vois. Comme ils habitent au même endroit, selon toute vraisemblance, ils se connaissaient. Voilà. Mais quand on cherche aussi, y a, enfin voilà, le nom Cannibal Jack il circule aussi parce que c'est un, ça correspond au, au fantasme du moment. Et puis que c'est très romanesque, quoi. Voilà. En gros. Je sais pas si les dialogues sont vrais, mais on dirait des punchlines, quoi. C'est... On dirait des punchlines, ouais, mais ce, cette archive-là, elle est formidable. Elle est formidable. Il décrit, là je pourrais vous le dire, mais toutes les descriptions qu'il fait, il dit c'était un petit bonhomme. Qui n'était pas bien habillé, mais il avait un regard félin. Et on sentait qu'il y avait une espèce de violence sauvage à peine contrôlée. Enfin, il décrit un truc comme ça, quoi. C'est vraiment... ça vaut son pesant de cacahuètes. Chaque fois qu'il a débarqué d'un bateau, vous avez utilisé le terme de « déserter ». Quelle réalité ça recouvre, parce que déserter, ça renvoie à la rupture d'un contrat, à la menace de, d'une poursuite, d'une capture, d'une exécution. C'était le terme qui était employé à l'époque, hein, et c'était aussi un phénomène qui était extrêmement répandu sur les bateaux du 19e siècle, en particulier sur les baleiniers, c'est-à-dire qu'on considère que, je crois, c'est quelque chose comme un tiers des équipages qui partaient ne revenaient plus. Et donc, il y avait un immense turnover, en fait, parce qu'à chaque étape, il y avait des matelots qui partaient, et puis il y avait d'anciens matelots qui avaient quitté des navires antérieurement, qui étaient réembauchés. Donc, il y avait un gros turnover, et donc, je crois que c'était vraiment un phénomène massif. En tout cas, ça s'est, disons, avéré par l'historiographie des baleiniers et de tout ça. Il y avait des s'ils étaient retrouvés, ça se passait mal, parce que par exemple Cannibal Jack il a d'abord déserté à Nakheti, à vrai dire, à Canala, Nakheti Canala, mais il a été repris et après il a été enchaîné sur le pont avec eau et pain sec jusqu'à la nuit d'après. Ils sont arrivés à Wailou où il y a deux types qui lui ont dit hey, tu veux pas venir déserter avec nous, viens on y va, et ils sont partis comme ça, voilà. Mais j'en sais pas plus, mais c'était pas du tout un mythe, quoi. Le turnover des marins qui partent et qui reviennent, c'était très répandu. Et puis, on a peine à imaginer, je pense, les conditions de vie et de travail des marins sur les bateaux du 19e siècle. C'est-à-dire que quand on creuse un peu cette question, on se rend compte que c'était donc extrêmement dangereux, extrêmement violent, mais qu'il y avait aussi une lutte des classes entre les officiers et les simples matelots qui étaient très très fortement marqués. Parce que par exemple les sévices physiques, le fouet pour les matelots, c'est un truc très répandu, ça a été interdit au milieu du 19e, mais ça a encore perduré longtemps. Et donc il y avait par exemple plein de témoignages de marins qui disaient, qui comparaient la condition des marins à bord des bateaux à celle des esclaves aux États-Unis, hein, parce que les trois quarts des bateaux c'était des bateaux américains. Et ils disaient on n'est pas des esclaves, on n'est pas des noirs esclaves, donc on ne doit pas être traité de la même façon. Il y avait tout ce truc là. Donc ces rapports de classe étaient tels que les gens partaient énormément. Et ça me permet d'évoquer une autre chose, c'est que là j'ai dit que la vie de Cannibal Jack c'était incroyable, la façon dont il avait vécu dans les îles. C'était déjà incroyable qu'à 16 ans, il ait quitté sa famille bien douillette pour devenir matelot à bord d'un bateau, parce que c'était déjà un dépaysement inimaginable. Un déclassement. Un déclassement, oui, tout à fait. Mais qu'il avait voulu, c'est ça, parce qu'il se met toujours en danger, parce qu'il veut toujours changer. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a manifestement, dès l'âge de 16 ans, en fait, il est devenu marin. Donc il a témoigné d'un savoir-faire d'adaptation, quoi. Qu'en fait, ensuite, il a redupliqué quand il est allé dans les îles. Mais finalement, en termes de déplacement social, en termes de changement d'univers, d'apprendre de nouvelles marques, un monde qui n'a rien à voir avec celui dont on vient, il avait déjà fait cette expérience, vu son passé familial et scolaire, puis sa trajectoire de marin. Donc il y avait quand même il avait une capacité, une flexibilité comme ça pour renouveler sa vie qu'il n'a pas cessé de mettre en œuvre ensuite.
Bonsoir et merci beaucoup. Vous avez tout à l'heure fait référence à un choix qui a été fait dans 19 manuscrits, si je me souviens bien, oui. Plus les deux manuscrits donc, qui ne sont pas encore publiés. En conclusion, au final, on pense qu'il y en a combien ? Bah déjà, ceux-là, quoi. C'est déjà pas mal. Les 19, en fait, le livre de 1928, c'est donc 3 des 19 cahiers qu'il a rassemblés. Ouais. Quand Hatfield a lu ça, il a tout de suite demandé à Reed où étaient les autres, où étaient les 19 autres. Et c'est là où Reed lui a dit, bah, tous les papiers ont brûlé. Ok, c'est parti en fumée. Bah, apparemment. Et donc, ah, il dit autre chose aussi, ça me revient. Il dit autre chose, il dit que quand il a fait la ruée vers l'or, il a écrit un manuscrit et il l'a perdu. Donc il sera peut-être quelque part. Le truc, c'est qu'on ne sait pas si c'est la ruée vers l'or en Californie ou en Australie. Alors j'ai décidé que j'allais pas creuser cette piste, parce que j'ai une vie quand même, donc je vais faire autre chose. Mais peut-être qu'un jour surgira du fond de la Sierra Nevada ou du New South Wales ou de je ne sais où un autre manuscrit. Parce qu'il dit au détour d'une page, j'ai écrit un manuscrit et je l'ai perdu aux diggings, comme on dit, dans les mines, quoi. Mais il ne dit pas lesquels. Donc, il y en a peut-être d'autres. Et puis, mais bon, en tout cas, le fait d'avoir retrouvé celui du milieu, Jack the Cannibal Killer, qui avait été perdu, c'est déjà beaucoup. Et c'est celui-là qui, pour la Calédonie, est de loin le plus précieux. Mais ce que je vous ai dit, par contre, sur la fin de sa vie aux îles Loyauté, ça, il ne l'a pas écrit. Ou c'était dans les 19 cahiers qu'on brûlait. Mais en tout cas, on n'a pas de trace de ça. Et c'est vraiment dommage, parce qu'on aimerait savoir comment il est revenu en Calédonie comme un vieillard, à l'époque où la Calédonie n'était plus... C'était devenu une colonie bien serrée, quoi. Même si aux îles, c'était un peu différent, mais quand il est revenu à Rau en 1889, on était en plein dans les conflits entre l'administration et l'église protestante, et au sein de l'église protestante, entre les partisans du pasteur Jones, qui avait fait sécession des autres, et les partisans des pasteurs français, avec qui la grande chefferie de Guama était désormais alliée. Donc il y avait de terribles fractions, de terribles scissions à l'intérieur de la zone précise où il est arrivé, en lien avec l'articulation complexe du pouvoir politique et du pouvoir religieux. Mais il n'a pas écrit sur ça, à ma connaissance, donc on ne sait pas. Et donc, par contre, il y a eu beaucoup d'archives administratives et religieuses sur ce moment à Marée et sur cette zone. Donc j'ai eu beaucoup d'espoir. Je les ai lus, je les ai relus, je les ai recoupés, mais en fait, leurs auteurs ne parlaient que des conflits religieux, et lui, il était en dehors de ça, manifestement. Par contre, Jerry Imbert, il y a des choses sur lui. Il y a des choses sur lui, parce qu'en fait, il était très proche du pasteur Jones. Enfin, pour ceux qui ne connaissent pas, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, mais après le départ du pasteur Jones, c'était Jerry Imbert qui a géré la gestion de la vente des biens du pasteur Jones. Et il y a même des lettres de Jerry Imbert au pasteur Jones. Mais Cannibal Jack, on ne sait pas. C'est une histoire parcellaire de toute façon. Il était amnistié alors à la fin de sa vie. Excusez-moi, vous pourriez parler dans le micro, s'il vous plaît. Il a été amnistié alors à la fin de sa vie, puisqu'il avait été condamné à mort quelques années plus tôt. Il y avait sans doute prescription, parce qu'il a été condamné en 1859, il est revenu en 1889, ça fait 30 ans. Mais c'est surtout qu'il est revenu en catimini à Marais, en fait. Mais c'est peut-être à cause de ça que j'ai pas retrouvé sa trace dans les actes de décès des citoyens de statut commun de Marais, parce que on n'a aucune trace de sa mort. Enfin, on a des traces indirectes. Mais lui-même, normalement, il aurait dû être recensé dans les registres. S'il ne l'a pas été, c'est peut-être qu'il était un peu caché, quoi. Et peut-être qu'il était un peu caché parce qu'il avait cette réputation. Parce que John Reed, dans sa lettre des années 20 au pasteur Hatfield, lui dit « Je crois qu'il y a très longtemps, il avait été condamné à cause de la vente d'armes dans le nord de la Calédonie. » Si Reed dit ça dans les années 20, c'est que cette légende de Cannibal Jack, ou que, en tout cas, qu'il l'avait appris quand Cannibal Jack était venu dans les années 80 à Lifou. Donc que cette mémoire était encore là. Et peut-être que c'est pour ça que Cannibal Jack a peut-être c'est aussi pour ça qu'il fuyait les photos, mais c'est surtout peut-être pour ça qu'on n'a pas sa trace dans les archives, ce qui n'est pas normal. Si la colonie était aussi efficace qu'elle est censée l'être,
ce qu'elle n'est jamais véritablement, parce que le résident, il était à Lifou, le résident français, le représentant du gouverneur, il était à Lifou, et que Rho était une zone en très forte dissidence à cause des conflits religieux. Mais néanmoins, c'est vrai qu'il n'y a rien de plus frustrant que de regarder les registres de décès de Marais. On sait qu'il est mort en 1891, d'après plusieurs témoins. On regarde, il n'y a rien. Il y a tous les autres, mais il n'y a pas lui. Non, mais c'est tout simplement... D'abord, bravo, hein, c'était vraiment passionnant. Et alors, ton propre manuscrit... Quand sera-t-il publié? Parce qu'on attend ça avec une grande impatience, tu l'imagines. Joker, non, je suis en plein dans l'écriture et donc il devrait paraître en 2024-2025. Voilà, normalement. J'espère que la prochaine fois, je pourrai venir vous le présenter. Mais sa vie est tellement immense... qu'on sait pas, c'est très difficile de savoir comment traiter un sujet pareil. Et puis l'histoire de ces manuscrits est aussi fascinante que sa propre vie. Donc t'as envie de raconter tout ça en même temps, l'enquête dans l'enquête. Et en même temps, les éditeurs sont pas très partants pour publier des livres de 2000 pages. Donc faut trouver une solution. On y travaille, mais voilà. En tout cas, je suis plongé dans l'écriture depuis le Covid, en gros. Et donc j'espère que ça paraîtra bientôt. Voilà. Pour rebondir sur ce que vient de dire Christiane Terrier, qui m'a enlevé les mots de la bouche, je voulais juste dire que c'était absolument addictif. Je ne sais pas si c'est ton talent d'orateur ou si les contenus, sans doute les deux, mais quand tu m'avais parlé de ce sujet il y a 4 ans, je frétillais déjà, comme tu l'as dit si bien. Et je continue à frétiller et on est demandeur de la suite avec beaucoup d'intérêt. Et en guise de clin d'œil, je voulais peut-être rajouter qu'il serait peut-être bien d'envoyer à M. Emilsen la captation de Caledonia ce soir, ne serait-ce pour lui montrer le monde qui était présent et l'intérêt que ça suscite, l'attente. Peut-être que son français s'est amélioré et qu'il comprendra qu'on a besoin de lui, en tout cas qu'il nous fasse part de ce manuscrit. Et puis, tu l'as évoqué tout à l'heure, peut-être qu'on peut aussi évoquer les pistes diplomatiques, peut-être même un peu plus. Nouvelle-Calédonie pourrait peut-être se manifester de manière un peu plus active auprès de ce monsieur qui détient un trésor national. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot. C'est un texte fondamental absolument unique sur cette période. Voilà. Oui, je partage le même avis, et c'était aussi pour ça que je voulais faire cette conférence, pour... C'est effectivement un trésor national à préserver, je pense. Donc on prend déjà rendez-vous quand le livre sera sorti dans cette même salle pour la suite des aventures. En tout cas, un grand merci à toi et un grand merci à vous d'être venus si nombreux. Et puis pour la dernière de l'année, rendez-vous l'année prochaine pour un autre de conférence.